Un couple, qui avait récemment acheté une maison, ne se doutait pas qu'elle cachait un sombre secret que les propriétaires précédents avaient tenté de résoudre pendant 14 ans. Lorsque la vérité sera enfin révélée, beaucoup seront choqués d'apprendre à quel point ils étaient proches de résoudre ce mystère. Retournons en 1998, dans la paisible ville de Salinas, en Californie, connue pour ses terres agricoles. Ici vivent des gens travailleurs et amicaux. Dans cette ville tranquille, un jeune couple, Diane et Eric, a acheté en 1996 une maison avec 5 chambres et 80 mètres carrés de surface habitable sur Navajo Drive. Deux ans plus tard, Eric a décidé d'améliorer le système de chauffage en ajoutant de nouveaux conduits de ventilation. Il est descendu au sous-sol par une trappe dans la cuisine pour effectuer les travaux nécessaires. Le sous-sol était sombre et étroit, d'environ 60 cm de haut, et Eric devait avancer en rampant, éclairant son chemin avec une petite lampe de poche. Quand la lumière de la lampe de poche éclaira le couloir central, Eric sembla voir des bottes sortant du sol, les orteils pointant vers le haut. Dans cet espace sombre et poussiéreux, il était facile de se tromper. Plus tard dans la soirée, il raconta à Diane ce qu'il avait vu, mais elle supposa que cela pouvait être une blague des anciens propriétaires qui avaient laissé de vieilles chaussures dans le sous-sol pour les nouveaux résidents. Le couple rit de cette idée et oublia bientôt cette étrange découverte. Deux semaines plus tard, Diane trouva dans sa boîte aux lettres une lettre adressée au nouveau locataire contenant des informations sur la disparition du jeune Christopher de Noir, âgé de 16 ans, en l'année 1984. La lettre donnait quelques détails, y compris une description du garçon. La dernière phrase contenait la demande de contacter la police ou sa famille, si quelqu'un le voyait. Le 14 janvier 1998, la sœur de Diana vint rendre visite et entendit une histoire inhabituelle à propos de chaussures dans le sous-sol et d'un garçon, qui avait disparu il y a 14 ans. Elle décida de descendre au sous-sol et de convaincre les hôtes que ce n'était qu'une blague. Elle descendit par la trappe de la cuisine et rampa jusqu'à l'endroit où Eric avait vu les chaussures pour les retirer. En tirant les chaussures, elle réalisa que ce n'était pas une blague. Le couple contacta immédiatement la police et signala leur découverte effrayante. Quand les policiers arrivèrent, ils écoutèrent l'histoire de la lettre et de la découverte dans le sous-sol. Au début, ils pensaient que c'était une blague, mais les hôtes, visiblement nerveux, les convainquirent de tout vérifier. Lors de la fouille, ils trouvèrent des preuves inconnues, qui n'étaient pas enterrées profondément dans le sous-sol. Les enquêteurs de la division criminelle de la police arrivèrent sur les lieux du crime. La police obtint l'accord des propriétaires pour retirer quelques planches et le sous-plancher, afin de mieux examiner le lieu de la découverte. En le faisant, ils découvrirent des preuves bien conservées, qui avaient à peine été affectées par le temps. Les enquêteurs appelèrent un anthropologue judiciaire pour déterminer l'identité et les circonstances de l'incident. Les anthropologues ont découvert que les preuves trouvées sous la maison appartenaient à un homme, et y étaient depuis assez longtemps. Les preuves sont restées bien conservées, grâce aux conditions fraîches et sèches sous le sol. Ce qui explique l'absence de toute odeur. Pour atteindre cet état, il pourrait s'être écoulé de 5 à 50 ans. Les experts ont soigneusement déterré les découvertes, en tamisant la terre et le sable, pour trouver d'autres preuves. Au cours de ce processus, ils ont trouvé un trousseau de clés, un briquet et une douille de calibre 38. Après avoir recueilli les preuves, elles ont été envoyées au laboratoire pour une analyse détaillée. Au laboratoire, ils ont déterminé que l'homme avait environ 16 ans et mesurait environ 160 cm. Des informations supplémentaires sur l'incident ont été obtenues grâce à la douille trouvée. Après avoir terminé l'analyse, l'anthropologue a informé la police des résultats. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'ils devaient enquêter sur un crime. La première étape consistait à identifier l'homme. Après avoir trouvé une lettre, Laissés par les nouveaux propriétaires de la maison, les enquêteurs se sont tournés vers les archives de la police. Dans le dossier des personnes disparues, ils ont trouvé une déclaration des anciens propriétaires de la maison de la rue Navajo, datée de 1984. Le disparu était Christopher Aileen de Noyer, 16 ans, mesurant environ 160 cm et pesant environ 80 kg. Il a été vu pour la dernière fois le 13 janvier 1984 et le lendemain, sa mère Dale l'a déclaré disparu. La description physique de Christopher correspondait aux résultats des anthropologues judiciaires après l'examen des preuves trouvées. Les enquêteurs travaillant sur l'affaire ont pu trouver un dentiste qui avait soigné Christopher au début des années 80. À leur grand plaisir, les radiographies dentaires du patient avaient été conservées dans les archives du médecin. Le dentiste a comparé ces radiographies avec les images prises par l'anthropologue lors de l'analyse des preuves et a confirmé leur correspondance. Il a également remarqué une attelle, fixée à la mâchoire inférieure, correspondant au type utilisé au début des années 80. Ainsi, l'identité de Christopher de Noyer a pu être définitivement confirmée. En 1983, pour Christopher de Noyer, de ses amis sous le nom de Chris, un nouveau chapitre de sa vie rempli de défis a commencé. Ses parents, Mike et Dale de Noyer, ont divorcé, alors que Chris était encore à l'école primaire. Pendant son adolescence, il a dû faire face à d'autres changements, car ses deux parents se sont remariés. La mère de Chris, Dale, a épousé Jackson Villar, et la famille a déménagé dans la ville de Salinas. Dans une maison sur Navajo Drive. Chris, sa sœur cadette Sherry, sa mère et son nouveau mari ont emménagé dans cette maison. Dans la nouvelle école, Chris a rejoint l'équipe de football, ce qui a été un moyen important pour lui de s'adapter. Pendant ce temps, malgré les soins de leur mère, Chris et Sherry ont maintenu une bonne relation avec leur père biologique Michael et sa nouvelle femme. Cependant, après avoir déménagé dans la maison de Jackson Villar, la situation s'est compliquée. Jackson a imposé des règles strictes pour tous les membres de la famille et se mettait rapidement en colère. Si quelqu'un les enfreignait, Chris, qui n'était souvent pas d'accord avec les règles établies, se disputait avec son beau-père, ce qui entraînait des conflits. Seize relations tendues se sont aggravées lorsque Dale a eu deux enfants avec Jackson. Jackson a essayé de contrôler encore plus Chris en essayant de lui imposer ses règles. Il pensait que les enfants de sa femme devaient se soumettre entièrement à ses exigences, bien que les enfants les considéraient injustes et infondées. D'autres difficultés sont apparues lorsque Jackson a essayé d'appliquer ses règles à tous les aspects de la vie de Chris et Chéri. Cela concernait non seulement les études et les tâches ménagères, mais aussi le temps libre, ce qui a intensifié la résistance des jeunes. Chris se sentait de plus en plus aliéné et limité dans ses actions. Il a commencé à chercher des moyens d'exprimer son indépendance, ce qui a conduit à de nouveaux conflits dans la famille. Finalement, la situation à la maison est devenue si tendue que Chris a commencé à envisager la possibilité de déménager chez son père biologique, malgré la réticence de sa mère. À le laisser partir. Cependant, cela n'était qu'un des nombreux défis auxquels il a dû faire face à cette époque de sa vie. La sœur de Chris, Chérie, s'habituait progressivement à la stricte routine quotidienne que le beau-père avait imposée. Au début, Chris se plaignait à sa mère, mais elle soutenait son mari et ne prêtait pas attention aux plaintes de son fils. En conséquence, le garçon a commencé à ignorer complètement les règles du beau-père. Cela a conduit à des disputes fréquentes entre Chris et son beau-père, et la mère, Dale, ne pouvait pas choisir de camp dans ces esconflits. En 1983, Chris, âgé de 15 ans, avait déjà beaucoup mûri. Il jouait dans l'équipe de football, mesurait 160 cm et pesait 80 kg. L'atmosphère à la maison devenait tendue, car Chris pouvait se défendre et le beau-père commençait à perdre son influence. Chris quittait souvent la maison à cause des conflits, déchirés entre la vie chez sa mère et son beau-père et son séjour chez son père biologique. Chez son père, Chris appréciait la liberté et l'absence d'interdiction dont il avait toujours rêvé. Cependant, ce style de vie libre affectait négativement ses performances scolaires. La mère a insisté pour qu'il rentre à la maison. Après son retour, Chris s'est encore plus opposé aux règles du beau-père. Il a développé de mauvaises habitudes et a parfois séché l'école. Cela a encore plus énervé le beau-père, qui a essayé de mettre en place des règles plus strictes, ce qui n'a fait qu'augmenter l'inconfort et le malheur de Chris. À l'automne et en hiver de l'année 1983, la vie sociale de Chris a commencé à s'améliorer malgré les conflits constants avec son beau-père. Il a trouvé des amis dans le nord de Solinos et aussi des camarades dans l'équipe de football. L'événement le plus significatif a été le début de sa relation avec Carlotta Davis. Chris a partagé avec elle ses problèmes domestiques et a finalement pu se détendre, se sentant comme un adolescent heureux, amoureux et satisfait de sa vie. En janvier 1984, les tensions avec son beau-père ont escaladé. Il a commencé à marquer les aliments et les boissons, pour que Chris ne les touche pas. La différence de traitement envers ses enfants biologiques et Chris devenait de plus en plus évidente, en particulier l'attitude stricte envers Chris. Une semaine avant de disparaître, Chris est venu en pleurant chez Carlotta. Il a dit que l'un de ses chiens préférés était tombé malade soudainement, et des examens supplémentaires ont révélé que l'animal avait reçu un rodenticide. Chris savait qui aurait pu faire cela et a dit à sa sœur chérie qu'il voulait s'enfuir de chez lui. Le vendredi 13 janvier, Jackson Dale a appelé au travail et a rapporté que Chris était parti de chez lui. Dale est rentré immédiatement chez lui et a découvert que les affaires de Chris étaient encore là. Tous ses vêtements étaient accrochés dans l'armoire et les valises étaient intactes. Elle a appelé Carlotta pour demander si elle avait vu Chris mais elle a répondu qu'elle ne l'avait pas vu ni parlé avec lui de toute la journée inquiète dale a appelé tous les endroits où son fils pourrait être mais il n'était nulle part lorsque chris n'est pas revenu le lendemain dale est allé à la police et a signalé sa disparition cependant les policiers lui ont assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter chris passait simplement du temps dehors et reviendrait bientôt Malgré cela, Dale avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Trois jours après la disparition de son fils, Dale a reçu un télégramme de Chris. Il disait ⁇ Maman, je vais bien, je pars à Newport Beach. Je suis désolé de partir. J'aimerais rester et continuer mes études, mais des circonstances imprévues sont survenues. Jack avait raison en quelque sorte. Pardonne-moi pour ma grossièreté. Prends soin de mes affaires, je viendrai les chercher plus tard. Chris. PS. On se verra quand je serai en NFL. Cette phrase à propos de la NFL a beaucoup inquiété Daley. Elle savait que Chris n'avait jamais eu l'intention de devenir joueur de football professionnel. Il n'était même pas sûr de jouer pour l'équipe scolaire l'année prochaine. Après avoir reçu le télégramme, L'inquiétude de Dale a encore augmenté. Elle s'est adressée à la police et a fait part de ses craintes. Mais dès que les officiers ont entendu parler du télégramme, ils ont immédiatement fermé le dossier, supposant que son fils avait simplement fugué, comme il l'avait soupçonné. Après que la police a arrêté les recherches, Dale a continué ses efforts seule. Elle a imprimé des prospectus avec la photo et la description de Chris et les a accrochés dans un large périmètre. Dale a conduit sur les autoroutes californiennes, laissant des prospectus dans les aires de repos et les stations-service dans l'espoir, que quelqu'un reconnaisse son fils ou que lui-même les voit et contacte la maison. Les semaines de recherche se sont transformées en mois puis en années. Mais Dale n'a pas abandonné et a poursuivi chaque piste possible. Cinq ans après la disparition de Chris, Dale, Jackson et leurs enfants ont déménagé de Salinas à la ville voisine de Marina. Après le déménagement, elle a écrit une lettre à son ancienne adresse, pour informer les nouveaux propriétaires que son fils avait disparu, et leur a demandé de la contacter, si quelqu'un, correspondant à sa description, se présentait à leur porte. Dale ne pouvait pas supporter l'idée que son fils rentre à la maison, voit qu'ils avaient déménagé, et qu'elle manque l'occasion de reprendre son enfant dans ses bras. En 1998, la découverte soudaine sous la maison éveilla les soupçons des enquêteurs sur l'un des locataires. La police devait interroger quelqu'un d'autre que les membres de la famille du garçon, pour comprendre ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont appris qu'il avait une petite amie nommée Carlotta Davis. Ils décidèrent de lui rendre visite en premier. La jeune fille fut choquée lorsque les enquêteurs lui parlèrent de la découverte. Carlotta raconta que Chris était son premier amour. Ils s'étaient rencontrés un an avant sa disparition, et elle ne croyait pas qu'il serait parti sans dire au revoir. Elle mentionna aussi que Chris et son beau-père Jackson se disputaient souvent. La prochaine personne à qui les enquêteurs parlèrent fut la sœur cadette de Chris, chérie qui vivait dans l'Ohio. Sherry confirma également que la relation entre Chris et Jackson était tendue. Jackson-Villarado était très strict, ce qui ne plaisait pas à Chris, et leur conflit ne faisait qu'empirer. Lorsque Sherry apprit la récente découverte, elle fut très surprise. Elle avait toujours douté que son frère se soit enfui, mais elle espérait qu'il allait bien. Les enquêteurs demandèrent à Sherry si elle avait remarqué une odeur désagréable dans la maison. Elle se souvenait qu'après la disparition de son frère, il y avait une odeur terrible dans la maison, qui a duré plusieurs semaines. Les parents expliquèrent que la cause était un animal sous la maison. Mais un enquêteur expérimenté savait qu'une telle odeur ne pouvait pas provenir d'un animal et pourrait être liée à quelque chose de plus grave. La mère de Chris Dale était toujours mariée à Jackson Villardo et vivait avec lui à Marina. En Californie, à seulement 15 minutes de Salinas, Dale a été interrogée chez elle, en l'absence de son mari. À ce moment-là, elle attendait son quatrième enfant. On lui a posé des questions sur son fils, qui avait disparu en 1984. Dale a dit que le jour où Chris a disparu, elle était au travail. Jackson était à la maison et l'a appelée, pour lui dire que Chris était parti de la maison. Elle a raconté aux enquêteurs qu'elle avait informé la police et avait reçu un télégramme trois jours après sa disparition. Elle l'a montré à l'enquêteur. La phrase dans le télégramme, dans laquelle Chris écrivait que Jack avait raison en quelque sorte, a éveillé les soupçons de l'enquêteur, car il savait que Chris avait une relation tendue avec son beau-père. Cela lui semblait étrange. Les enquêteurs ont informé la mère de Chris de la découverte des preuves directement sous leur maison, où elle avait vécu cinq ans après la disparition de son fils. Il lui a fallu un certain temps pour assimiler ce qu'elle avait entendu. Malgré ses doutes, elle espérait encore que Chris reviendrait un jour. Maintenant, cependant, elle devait accepter qu'elle ne le reverrait jamais. Lorsqu'elle s'est un peu calmée, elle a admis qu'elle soupçonnait depuis longtemps que le télégramme était faux. Elle et sa fille chérie étaient certaines que Chris n'aurait pas écrit de tels mots. De plus, Dale croyait que son fils l'aurait appelé, s'il en avait eu la possibilité. Les enquêteurs lui ont posé des questions sur la relation entre Chris et Jackson, et elle a confirmé qu'ils ne s'étaient jamais entendus. Après avoir interrogé la mère de Chris, L'enquêteur a continué à réfléchir au lieu où les preuves avaient été trouvées. Il se demandait, qui aurait pu avoir suffisamment de temps pour creuser un trou et cacher les preuves en si peu de temps Seulement quelques heures se sont écoulées entre l'appel de Jackson et le retour de Dale à la maison. Bientôt, il s'est avéré que Dale était tombée enceinte en janvier 1984, ce qui signifiait qu'elle n'aurait probablement pas été capable. De creuser dans la cave. Les enquêteurs décidèrent de parler à Jackson Villard. À cette époque, il avait 43 ans et travaillait encore chez la compagnie téléphonique. Les enquêteurs l'ont trouvé sur son lieu de travail. La première chose qu'ils ont remarquée était que Jackson était petit, environ un mètre et demi, et pesait moins de 70 kg. Lorsqu'ils lui ont demandé sa relation avec son beau-fils, Jackson a admis qu'ils avaient des difficultés, mais a ajouté qu'il s'agissait de problèmes normaux que les parents ont avec les enfants. Ensuite, ils lui ont demandé de décrire la journée où Christopher a disparu. Jackson a dit que le vendredi 13, il travaillait de midi à 8 heures du soir, et quand il est rentré à la maison, sa femme lui a dit que Chris s'était enfui. Cela contredisait les paroles de Dale. Les enquêteurs ont informé l'homme des récentes découvertes sous son ancienne maison dans le Tennessee. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'odeur que sa femme et sa fille avaient mentionnée, Jackson n'a pas réagi et a dit qu'il ne se souvenait d'aucune odeur. Après avoir interrogé Jackson, la police a obtenu un mandat de perquisition pour sa maison. Parmi les objets trouvés, il y avait un revolver de calibre 38. Une enquête balistique a révélé que la douille trouvée dans le sous-sol correspondait parfaitement. Il s'est également avéré que Jackson ne jetait rien. Il conservait toutes les lettres, factures et relevés bancaires depuis les années 80 dans des boîtes. Parmi ces et ces papiers, les enquêteurs ont trouvé des factures de téléphone de l'année 1984. En janvier de cette année-là, une facture pour une commande de télégramme a été émise au téléphone de la maison de Villarde. Le 6 février 1999, Jackson a été arrêté et placé dans la prison du comté de Monterey, où il a été détenu sous caution d'un million de dollars. En juin de la même année, le procès a commencé. L'accusation a affirmé que seul Jackson Villarda avait les moyens et les opportunités de commettre un tel acte. Le parquet a insisté sur le fait que le mobile de Jackson était sa mauvaise relation avec Christopher de Noyer. Le vendredi 13 janvier 1984, il y a eu un conflit entre Chris et son beau-père. Villarda a perdu le contrôle et a commencé à agir de manière imprévisible. Il était le seul à pouvoir traîner des preuves au sous-sol de la maison et les y cacher, car il était assez petit pour entrer dans cet espace étroit. Les enquêteurs ont réalisé une reconstitution, en utilisant un officier aux mêmes mensurations que Jackson, et ont déterminé il lui faudrait une heure pour cacher toutes les preuves. Jackson avait non seulement accès à la maison, mais il connaissait également la routine quotidienne de tous les membres de la famille, ce qui lui permettait de planifier le moment pour cacher les preuves sans être détecté. La mère de Chris, Dale, a passé de nombreuses heures à distribuer des flyers sur son fils disparu, dans l'espoir de son retour. Pendant ce temps, Jackson était agacé par le temps que sa femme passait à chercher, et il n'a rien fait, pour aider. Lorsque la mère et la sœur de Chris se sont plaintes de la mauvaise odeur, Jackson a affirmé qu'il n'y avait aucune odeur dans la maison. La dernière preuve de son implication était un télégramme, qu'il a envoyé, pour convaincre tout le monde, que Chris s'était enfui. En février 2000, un an après son arrestation, Jackson Villarda a été reconnu coupable et condamné à 17 ans de prison. Une femme qui vivait seule dans son appartement a soudainement disparu dans des circonstances mystérieuses. La police, qui a commencé l'enquête, a trouvé des preuves étranges qui les ont conduits à des suspects inhabituels et même excentriques. Finalement, la solution de ce mystère était plus proche qu'il ne le pensait. La réponse était évidente. Lisa Valdez est née le 6 septembre 1961 à San Francisco, Californie. Elle a grandi avec son frère et sa mère aimante, car son père ne participait pas à sa vie. Malgré l'absence de son père, Lisa avait une relation très étroite avec sa mère. Six amis étaient étonnés de voir comment elle réussissait à maintenir une relation si bonne sans conflit. À l'adolescence, Lisa s'est passionnée pour la danse, et c'est devenu sa passion. De plus, elle s'est intéressée aux nouvelles technologies et a commencé à étudier l'informatique alors que ce domaine venait de commencer à se développer. Elle a commencé à utiliser le courrier électronique, alors que beaucoup de ses amis ne savaient même pas ce que c'était. Cet intérêt a défini sa carrière, et après l'université, Lisa a travaillé comme analyste système dans sa ville natale. Plus tard, sa mère a économisé de l'argent et lui a acheté un appartement dans un bon quartier. C'était un petit studio dans un complexe résidentiel sur une colline, avec une belle vue sur San Francisco. Lisa vivait là seule, progressait dans son travail et essayait de passer le plus de temps possible avec sa famille. Elle a également continué ses cours de danse et assistait chaque semaine à des cours avec sa meilleure amie. Le soir du 16 mai 1998, Lisa, âgée de 36 ans, invita sa mère et quelques amis de la famille chez elle, pour passer du temps ensemble. Lorsque les invités sont partis, la mère de Lisa l'a aidée à faire la vaisselle puis est rentrée chez elle, convenant que Lisa appellerait le lendemain. Mais cet appel n'est jamais venu. Au début, la mère pensait que Lisa était occupée, car elle voulait aller danser ce soir-là, et a décidé d'attendre. Mais le lendemain, Lisa ne s'est toujours pas manifestée. Le dimanche, la mère a essayé d'appeler sa fille, mais il n'y avait pas de réponse. Cela a continué pendant plusieurs jours. Le lundi, le quatrième jour, les collègues de Lisa ont appelé la mère et ont informé que Lisa ne s'était pas présentée au travail et ne répondait pas aux appels. Cela a causé une grande inquiétude, car Lisa avait toujours été une employée responsable et n'avait jamais disparu sans prévenir. La mère de Lisa a décidé de se rendre à l'appartement de Lisa dans le complexe résidentiel pour voir ce, ce qui se passait. Quand elle est arrivée à l'appartement de sa fille, elle a vu que le bâtiment était bouclé avec du ruban de police. Il y avait de nombreux policiers sur place, et en s'approchant d'eux, la mère a demandé ce qui se passait. Les policiers ont expliqué que les résidents du complexe avaient signalé une odeur étrange provenant de l'un des appartements quelques heures plus tôt. Le gestionnaire de l'immeuble, qui a vérifié la plainte, a découvert que la porte de l'appartement de Lisa n'était pas verrouillée. Il est entré et a immédiatement remarqué une forte odeur, après quoi il a appelé la police. Les agents de police ont rapidement identifié Lisa Valdez. Ses vêtements partiellement manquants et les marques évidentes sur son corps ont immédiatement fait comprendre aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un crime intentionnel et non d'un accident. Après avoir examiné l'étendue des dégâts, ils ont supposé que l'incident pourrait s'être produit il y a quelques jours. La police a également remarqué les circonstances du crime. À côté de Lisa se trouvaient des sous-vêtements. L'appartement était parsemé de taches rouges vives sur le sol et le lit. La télévision était allumée et la climatisation réglée à 26 degrés. L'appartement était en désordre, mais les enquêteurs ont découvert plus tard que c'était normal pour Lisa car elle n'avait pas l'habitude de maintenir l'ordre. La police a également déterminé qu'aucun objet de valeur ne manquait. Les bijoux et autres objets précieux étaient à leur place. Les seuls objets manquants étaient ses clés et son sac de sport. Un autre point curieux était que l'auteur semblait avoir emporté une partie des longs cheveux de Lisa. Cette accumulation de faits pourrait indiquer des motifs personnels de l'auteur. Les enquêteurs soupçonnaient que l'auteur du crime connaissait Lisa et lui en voulait. Cela était évident. Car il n'y avait aucun signe d'effraction sur la porte de l'appartement. Le complexe résidentiel, où vivait Lisa, était entouré d'une clôture, et on ne pouvait y entrer, qu'avec une clé ou si un résident ouvrait la porte à distance. La police a commencé à interroger les résidents du complexe, dans l'espoir que quelqu'un ait vu une personne suspecte, et ils ont rapidement trouvé la première piste. Le voisin de Lisa a raconté qu'il était rentré de vacances il y a deux jours et avait découvert qu'une partie du cadre métallique de sa porte était endommagée et qu'il y avait une tache rouge foncée à peine visible sur la porte. Il en a informé l'administrateur, mais ils ont décidé de ne pas appeler la police, car il était évident que personne n'avait pu entrer dans l'appartement. Les enquêtes sur l'incident de Lisa étaient déjà bien avancées, et les enquêteurs étaient presque sûrs que l'auteur est la personne qui avait endommagé le cadre de la porte du voisin, était la même personne. Cependant, la logique de ses actions restait floue. Peut-être que son objectif initial était l'appartement du voisin, mais lorsqu'il a rencontré Lisa par hasard, il a changé ses plans. On supposait également qu'il avait essayé de forcer la porte du voisin après l'incident, ce qui semblait très étrange. Bientôt, les enquêteurs ont remarqué la femme de ménage. Qui venait une fois par semaine nettoyer l'appartement de Lisa. Deux jours avant que les preuves ne soient trouvées, elle est arrivée comme d'habitude avec sa clé et a essayé d'ouvrir la porte. Mais quelque chose à l'intérieur l'en empêchait. Lorsqu'elle a regardé à travers l'ouverture, elle a vu une scène étrange et a entendu une voix masculine. Croyant qu'elle interrompait un moment privé, la femme de ménage est rapidement partie. La police en a conclu qu'il était déjà trop tard pour intervenir, car la voix appartenait probablement à l'auteur, qui se trouvait encore dans l'appartement. La femme de ménage a également mentionné, qu'il lui semblait, qu'il y avait un sac noir à fermeture éclair près de Lisa, mais elle ne pouvait pas en être sûre, car elle n'avait jeté qu'un coup d'œil rapide. Un autre détail important était l'enveloppe non ouverte contenant de l'argent pour la femme de ménage qui se trouvait à l'intérieur de la porte. Lisa laissait toujours l'argent un jour avant la visite de la femme de ménage, car elle n'était généralement pas chez elle à ce moment-là. Cela suggérait que le crime avait pu se produire après le départ de la mère de Lisa, entre minuit et les premières heures du matin, juste au moment où Lisa laissait l'argent pour la femme de ménage. Cette hypothèse a été confirmée par les déclarations des voisins de l'étage inférieur. Qui cette nuit-là ont entendu du bruit venant de l'étage supérieur et ont ensuite remarqué quelqu'un descendre les escaliers, mais n'ont pas pu identifier la personne. 16 détails sont devenus des éléments importants de l'enquête. La police essayait de rassembler le plus d'informations possibles pour comprendre les motivations et les actions de l'auteur. Chaque détail, chaque petite chose pourrait être importante pour résoudre cette affaire difficile. Pendant que les experts médicaux analysaient les preuves trouvées, les enquêteurs poursuivaient leur recherche d'indices supplémentaires dans l'appartement de Lisa. L'un des premiers points suspects était le siège des toilettes relevées, un détail inhabituel pour une femme vivant seule. Les techniciens criminels ont examiné soigneusement cette découverte et ont trouvé une empreinte partielle, qui n'appartenait pas à Lisa. La police a demandé les empreintes digitales de tous ceux qui auraient pu être dans son appartement y compris des connaissances et des membres de la famille, mais il n'y avait pas de correspondance. Cela a conduit les enquêteurs à conclure que l'empreinte trouvée provenait probablement du coupable. Lorsque les experts médicaux ont terminé leur analyse, les enquêteurs ont reçu un nouvel indice. Des particules de peau ont été trouvées sous les ongles de Lisa, probablement provenant du coupable, et elles ont été envoyées au laboratoire pour une analyse plus approfondie. Pendant ce temps, les criminalistes ont examiné les preuves trouvées dans l'appartement et ont découvert un indice important. Sur l'une des têtes d'oreiller, il y avait beaucoup de tâches bordeaux, mais l'analyse a montré qu'elles ne provenaient pas toutes de Lisa. Certaines tâches avaient une autre origine, et la tête d'oreiller a été envoyée au laboratoire pour une analyse plus approfondie. Les enquêteurs soupçonnaient que l'agresseur pourrait s'être blessé accidentellement ce qui arrive assez souvent. Ce soupçon a été confirmé par une autre découverte. Dans la salle de bain, deux bandages usagés provenant de la trousse de premier secours ont été trouvés, que l'agresseur aurait pu utiliser, ainsi que ses empreintes digitales sur le siège des toilettes, lorsqu'il les a jetées. Les résultats de l'analyse ADN ont montré que les traces sur la tête d'oreiller appartenaient à un homme inconnu qui n'étaient pas enregistrés dans la base de données du fbi des particules de peau trouvées sous les ongles de lisa appartenaient également à cet homme ainsi qu'une empreinte inconnue sur la porte du voisin malgré l'absence de correspondance dans les profils adn les enquêteurs disposaient maintenant d'échantillons qu'ils pouvaient comparer avec l'adn des suspects ils ont commencé à vérifier les personnes de leur base de données qui avaient commis divers crimes dans le quartier de Lisa, et ont également examiné son entourage. La mère de Lisa a rapporté que sa fille sortait depuis un certain temps avec un homme nommé Albert Kett, et qu'ils avaient prévu de se rencontrer le lendemain de l'incident. Cependant, quelques jours plus tôt, Kett a soudainement annulé la rencontre. Les enquêteurs l'ont invité au commissariat pour l'interroger. Lorsque l'homme est arrivé, ils ont immédiatement remarqué sa main bandée. Les enquêteurs ont soupçonné que l'agresseur pourrait s'être blessé pendant l'acte, car cela est fréquent dans de telles situations. Ainsi, Albert Kett est immédiatement devenu suspect. Cependant, il a catégoriquement nié son implication dans l'incident. Ses empreintes digitales et des échantillons d'ADN ont été prélevés, puis envoyés au laboratoire pour analyse et comparaison avec les preuves existantes. À la surprise des enquêteurs, les résultats n'ont pas confirmé sa culpabilité. Toutes les traces trouvées précédemment appartenaient clairement à une autre personne, ce qui a exclu Albert de la liste des suspects. Les enquêteurs ont continué à chercher d'autres suspects possibles. Ils ont décidé d'écouter le message sur le répondeur de Lisa, laissé les jours précédant la tragédie. Une liste de 40 appelants a été établie, mais un message a particulièrement attiré l'attention. Quelques heures avant le crime, alors que des invités étaient encore chez Lisa, un homme inconnu a appelé. Lisa n'a pas répondu, et il a laissé un message. Tu sais comment c'est, Takita Bonjour, Lisa. Es-tu à la maison Ce message a été écouté en présence d'une amie de Lisa, qui a immédiatement reconnu la voix. C'était la voix d'Albert Robinson, un collègue de Lisa. Albert montrait depuis longtemps un intérêt romantique pour elle. Mais Lisa ne partageait pas ses sentiments. Malgré cela, il restait en contact au travail et se rencontrait dans le cercle d'amis. Lisa le considérait simplement comme un ami. Quelques jours après l'incident tragique, alors que la famille de Lisa tenait la cérémonie d'adieu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Robinson est apparu lors de l'événement et a prononcé un discours, qui a surpris tout le monde. Il a dit qu'il était amoureux de Lisa et qu'ils avaient prévu de se marier et de fonder une famille. Cependant, les amis de Lisa et sa mère ont raconté aux enquêteurs que les paroles de Robinson n'étaient pas vraies. Lisa avait dit que l'homme montrait de l'intérêt pour elle, mais qu'elle n'avait pas de sentiment romantique pour lui. La mère de Lisa a ajouté qu'elle parlait toujours ouvertement et que Lisa n'aurait jamais caché de tels projets. Robinson a été invité à un interrogatoire où il a nié son implication dans l'incident. Il a affirmé qu'il aimait Lisa et qu'il ne lui avait jamais fait de mal. Cependant, il a refusé de donner un échantillon d'ADN et ses empreintes digitales à la police. Et sans preuves suffisantes, elle ne pouvait pas être prise de force. Malgré tout, Robinson est resté l'un des principaux suspects et les enquêteurs ont continué à chercher de nouvelles preuves. En considérant qu'il aurait pu être obsédé par Lisa et qu'elle ne partageait pas ses sentiments, cela pourrait expliquer ses actions possibles. Les caractéristiques du crime suggéraient un motif, et le fait que le coupable ait pris une partie de ses cheveux pourrait être un signe de son obsession. Quelque temps plus tard, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Robinson. À l'intérieur, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Des dizaines de photos de Lisa étaient accrochées partout, ce qui a renforcé les soupçons sur son obsession. Pourtant, il a continué à nier son implication dans le crime, mais cette fois, il a donné ses empreintes digitales et un échantillon d'ADN. Les enquêteurs étaient presque certains qu'il était coupable. Mais les résultats du laboratoire les ont surpris. Les échantillons trouvés dans l'appartement de Lisa ne correspondaient pas aux échantillons de Robinson. Robinson a été retiré de la liste des suspects et la police a poursuivi 16 recherches. Mais malgré tous leurs efforts, les enquêteurs se heurtaient constamment à des impasses. Finalement, l'affaire est restée en suspens pendant de nombreuses années. Les enquêteurs demandaient régulièrement des mises à jour pour vérifier l'échantillon d'ADN du coupable avec les bases de données, dans l'espoir qu'il y apparaisse pour d'autres crimes. Mais cela n'a pas eu lieu. Il paraissait étrange aux policiers que quelqu'un, capable de commettre un tel crime, n'apparaisse pas dans les bases de données, car il doutait que ce soit sa première grave erreur. Au cours des années suivantes, les enquêteurs ont continué à vérifier les bases de données dans l'espoir de trouver une correspondance. Mais chaque fois, ils se heurtaient à un mur. La mère de Lisa est apparue plusieurs fois à la télévision, demandant de l'aide et partageant toute information qui pourrait aider dans l'enquête. Mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver de nouvelles pistes. En 2010, les enquêteurs ont appris l'existence d'une nouvelle technologie d'analyse ADN, utilisée par le FBI. Cette technologie permettait de comparer l'échantillon d'ADN du coupable avec une base de données et de trouver ses proches. Contrairement à la généalogie génétique, apparue quelques années plus tard, cette méthode ne fonctionnait qu'avec des parents proches comme le père ou le frère. En 2011, la police a demandé de telles comparaisons et a commencé à attendre. Le 2 septembre, le principal enquêteur a reçu un appel du FBI. Dans lequel on lui a communiqué deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas la comparaison avec les parents de la base de données, et la raison en était très surprenante. Pour garantir l'exactitude de l'enquête, les échantillons d'ADN des suspects étaient toujours vérifiés à nouveau, avant de procéder à une comparaison. Treize ans après le crime, une correspondance complète a été trouvée. L'ADN correspondait à l'échantillon d'Anthony Hughes âgé de 52 ans. Récemment, ces données avaient été saisies dans la base de données du FBI. Anthony avait auparavant une longue liste de délits, mais aucun d'entre eux ne nécessitait un échantillon d'ADN pour la base de données du FBI. Cependant, après les changements dans les lois californiennes, tous les criminels, indépendamment de la gravité de leurs crimes, doivent fournir des échantillons d'ADN. Ainsi, L'échantillon d'Anthony a été saisi dans la base de données après une de 16 arrestations pour un délit mineur. Ces empreintes digitales étaient également dans la base de données et correspondaient à l'empreinte trouvée, sur le siège des toilettes dans l'appartement de Lisa. Les experts ont même identifié le doigt exact. Qui avait laissé cette empreinte Avant qu'Anthony ne soit arrêté, les enquêteurs ont essayé de trouver plus de preuves, confirmant son implication. Au cours de ce processus, ils ont découvert un tournant inattendu. Après le crime, la police avait écouté une cassette audio contenant des messages sur le répondeur de Lisa. Cependant, il y a 13 ans, seuls les appels reçus avant l'incident avaient été examinés. Maintenant, de nombreuses années plus tard, les enquêteurs ont découvert qu'Anthony Hughes avait appelé Lisa le jour suivant l'incident et lui avait laissé un message. Le contenu était assez banal et ne soulevait aucun soupçon. Mais si la police avait enquêté sur Anthony à l'époque, ils auraient découvert non seulement son vaste passé criminel, mais aussi quelque chose de plus important. Lorsque les enquêteurs ont commencé à fouiller les affaires de Lisa, ils ont trouvé dans son carnet de notes un numéro de téléphone appartenant à Anthony. Cela confirmait que Lisa le connaissait. Après avoir parlé avec les amis de Lisa, la police a découvert qu'elle était sortie avec Anthony pendant un certain temps au lycée. Cela donnait aux enquêteurs suffisamment de raisons pour interroger l'homme. À cette époque, Anthony n'avait pas de résidence fixe, ce qui rendait sa recherche plus difficile. Pour prévenir une éventuelle fuite du suspect, les enquêteurs décidèrent d'agir avec beaucoup de prudence. Après avoir arrêté Anthony, ils lui expliquèrent qu'ils enquêtaient sur une série de crimes à San Francisco. Anthony n'a opposé aucune résistance à l'arrestation et a suivi la police sans incident. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont d'abord parlé de Céas, qui n'avait rien à voir avec Anthony, pour ne pas éveiller ses soupçons. Puis ils ont progressivement abordé son passé criminel et lui ont demandé s'il connaissait Lisa Valdez. Au début, Anthony a nié toute connaissance d'elle, mais lorsqu'on lui a montré sa photo, il a admis qu'il l'avait rencontré au lycée. Il a ajouté qu'il ne l'avait pas vu depuis la fin des années 80 et a essayé de convaincre les enquêteurs qu'il n'avait plus eu de contact depuis. Les enquêteurs lui ont posé des questions pendant des heures sur sa relation avec Lisa, pour savoir s'il ne l'avait vraiment pas vue depuis. Enfin, ils lui ont posé leur question clé pourquoi son ADN avait été trouvé dans l'appartement de Lisa en 1998. En entendant cela, Anthony a soudainement fondu en larmes et a demandé aux enquêteurs un stylo et une feuille de papier. La police pensait qu'il voulait écrire une confession et lui a donné tout, ce dont il avait besoin. À leur surprise, Anthony a soudainement tenté d'utiliser le stylo à d'autres fins et les enquêteurs ont dû le retenir. Alors qu'ils le retenaient et attendaient des renforts, Anthony continuait de pleurer et de crier, affirmant qu'on essayait de l'accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis. Finalement, Anthony a été accusé dans l'affaire de Lisa, et les enquêteurs ont informé ses proches qu'un suspect avait été trouvé. Cependant, le procès n'a commencé que quatre ans plus tard, et la famille de Lisa a dû attendre longtemps pour que justice soit faite. Lors des premières audiences du procès, Anthony semblait très sûr de lui, affichant de l'arrogance et allant même jusqu'à sourire. Mais avec le temps, son comportement a changé. Les jours suivants, il est venu au tribunal avec une Bible à la main et une croix autour du cou, ce que les enquêteurs ont interprété comme une tentative d'impressionner les jurés et d'influencer leurs émotions. Son avocat a affirmé qu'Anthony ne pouvait pas physiquement commettre un tel acte, car il avait été diagnostiqué avec une maladie il y a cinq ans. Cette maladie provoquait une faiblesse musculaire et rendait les mouvements répétitifs difficiles, ce qui, selon son avocat, le rendait incapable de commettre le crime dans l'appartement de Lisa. Cependant, les examens médicaux de l'année où le crime a eu lieu ont montré que la maladie était sous contrôle et que le traitement était efficace. De plus, l'accusation avait des preuves solides de sa présence sur les lieux du crime. Sous les ongles de Lisa, on a trouvé sa peau. Sur la tête d'oreiller, il y avait des traces de son ADN et sur le siège des toilettes, son empreinte digitale. Malgré ces preuves accablantes, Anthony a insisté sur le fait qu'il n'avait pas vu Lisa depuis la fin des années 80. L'accusation soupçonnait qu'Anthony avait repris contact avec Lisa et lui avait rendu visite chez elle. Il voulait peut-être raviver la relation, mais lorsque Lisa a refusé, la situation a dégénéré et Anthony a quitté la scène du crime. Les jurés l'ont unanimement reconnu coupable de meurtre au premier degré. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pendant le procès, Anthony a contesté l'accusation et a déclaré que le retard de 13 ans dans la présentation de l'accusation violait ses droits constitutionnels. Cela a conduit à une réduction de l'accusation de premier à deuxième degré ce qui signifiait une peine plus légère. Finalement, Anthony a été condamné à la prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle après 16 ans, c'est-à-dire en l'an 2031, lorsqu'il aura 72 ans. Depuis lors, Anthony purge sa peine en prison et continue d'affirmer qu'il est innocent. Les proches de Lisa espèrent que sa demande de libération conditionnelle sera rejetée, car ils estiment qu'il ne mérite pas la liberté. Il croit que son refus de reconnaître sa culpabilité est un signe de manque de remords et que le délinquant ne doit pas être libéré. 1er mai 2005 à 9h du matin, un appel est parvenu au centre de secours. La personne au téléphone s'est présentée comme un employé d'une entreprise qui nettoie des propriétés avant les enchères. Il a informé l'opérateur qu'ils avaient trouvé des momies et d'autres objets inhabituels dans un matelas en nettoyant une maison, dans l'une des chambres. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur les lieux. De l'extérieur, la maison ne se distinguait pas des autres dans ces quartiers. À l'arrivée des enquêteurs, ils ont été accueillis par le même employé qui avait passé l'appel d'urgence. L'homme a expliqué que, dès qu'il avait pénétré dans la maison avec son collègue, ils avaient immédiatement perçu une odeur désagréable. Habituellement, une telle odeur apparaît dans les maisons où des aliments périmés ont été laissés dans le réfrigérateur. La maison était remplie de diffuseurs de parfums, ce qui semblait très étrange. L'une des pièces était décorée dans le style de Star Wars. Partout, on pouvait voir des objets avec les symboles de ces films cultes. Pendant le nettoyage, L'un des employés a remarqué que le matelas était anormalement lourd. Soudain, un léger bruit s'est fait entendre. En retirant la couverture, l'ouvrier a découvert quelque chose qui ressemblait à un rideau de douche, sous lequel un pied humain dépassait. Les enquêteurs sont arrivés sur place avec l'expert médico-légal. Les restes étaient dans un tel état qu'il était impossible de déterminer l'identité de la personne. Une blessure était visible sur le crâne. Les enquêteurs ont interrogé les voisins et ont appris que, avant la saisie de la maison par la banque en raison du non-paiement des dettes hypothécaires, deux sœurs y vivaient. Les documents bancaires ont révélé que la maison appartenait à Barbara Burns et à sa sœur cadette Debbie. L'enquête sur les causes de cette tragédie a pris plus de temps que prévu pour les enquêteurs. L'histoire, qui a commencé il y a 40 ans, s'est révélée complexe et embrouillée. Les Sœurs Burns ont grandi dans le comté de Prince George, état du Maryland. Barbara était le troisième enfant d'une grande famille. Seize frères aînés, Bobby et Johnny, étaient nés les premiers, et neuf mois plus tard, sa sœur Joan est née. Le père de la famille, John Burns, travaillait dans une imprimerie, et sa femme Margaret se consacrait aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Les vacances d'été, il les passait toujours à Virginia Beach, où il louait une petite maison au bord de la mer, et les enfants passaient leurs journées à jouer sur la plage. Lorsque Barbara avait 13 ans, Debbie est née. Six mois après sa naissance, elle a contracté une pneumonie. La maladie a provoqué de graves convulsions, et les médecins doutaient de sa guérison. Avec le temps, il est devenu clair. Que Debbie était différente des autres enfants. La maladie avait affecté son développement, et elle avait besoin de soins et d'attention particuliers. Les sorties en famille des Burns ont cessé en raison de la maladie de la fille cadette, ce qui a entraîné des changements significatifs dans leur relation. À 15 ans, Barbara a soudainement perdu son père d'une crise cardiaque. Ce moment tragique a marqué un tournant dans sa vie, la divisant en avant. Et après Après la mort de son mari, Margaret Burns a dû trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a trouvé un poste de serveuse dans un petit café. La question s'est alors posée, qui s'occuperait de Debbie pendant que Margaret travaillait Les enfants plus âgés avaient déjà quitté la maison, et Barbara a pris cette responsabilité. À 16 ans, alors que beaucoup de ses camarades apprenaient à conduire et sortaient avec des amis, Barbara restait à la maison pour s'occuper de sa sœur de trois ans, aux problèmes de santé. Barbara a pris en charge l'éducation de sa sœur cadette Déby, comme l'aurait fait sa mère. Barbara s'efforçait d'offrir à sa sœur une enfance insouciante, la couvrant de soins et de tendresse. Six efforts ont porté leurs fruits. Déby a vécu une enfance pleine de joie et de jeu comme les autres enfants. Treize ans plus tard, en 1981, Margaret Burns a commencé à souffrir d'arthrite. En raison de la détérioration de sa santé, Margaret a décidé de déménager en Floride avec ses filles. À cette époque, Barbara avait 30 ans et Debbie en avait 17. À cause de sa maladie, Debbie ne pouvait ni travailler ni conduire. Et elle ne pouvait rester seule à la maison que quelques heures par jour. Comme Margaret ne pouvait plus soutenir financièrement la famille en raison de sa maladie, toute la responsabilité du soutien de la famille est retombée sur Barbara. Elle faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de la famille et s'occuper de sa sœur. Barbara travaillait dans un petit café où sa tâche principale était de maintenir l'ordre et de faire la vaisselle. Après son service, elle se précipitait à la maison pour préparer le dîner pour sa mère et sa sœur Déby. Dans son emploi du temps chargé, il n'y avait même pas de place pour une simple soirée télé. Barbara était tellement fatiguée qu'elle s'endormait immédiatement pour retourner travailler le lendemain matin. Malgré tous ses efforts pour la famille, sa mère Margaret était souvent mécontente. Elle pensait que Barbara ne faisait pas assez pour elle et Déby. La seule chose. Qui importait à Margaret était que Barbara continue de rapporter un revenu et ne les quitte pas. Avec le temps, l'état de Margaret s'est détérioré. Elle a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Désormais, Barbara ne s'occupait plus seulement de sa sœur aux besoins particuliers, mais aussi de sa mère, qui souffrait de démence progressive. Barbara avait des difficultés à accepter que sa mère Margaret ne puisse plus gérer sa vie quotidienne seule. Comme Barbara travaillait toute la journée, il lui était impossible de fournir à sa mère les soins nécessaires, ce qui l'obligeait à prendre une décision difficile, placer Margaret dans un établissement spécialisé pour personnes âgées. Ensuite, ses proches ont exprimé activement leur mécontentement. Les frères et la sœur de Barbara l'ont appelée tour à tour, affirmant qu'elle avait mal agi. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à aider et qu'elle aurait dû les informer. Barbara ne put se retenir et répondit Où étiez-vous tout ce temps Aucun d'eux ne s'était soucié de l'état de leur mère ni ne l'avait appelée pour demander comment elle allait. Après cela, les reproches cessèrent. Margaret Burns a passé ses derniers jours dans cet établissement et est décédée en l'an 2000. Quelques mois plus tard, la famille apprit la mort de leur frère John lorsque le frère de Debbie a décidé que toute sa fortune de 350 000 dollars lui appartiendrait. Ce fut une vraie surprise. Cet héritage inattendu ne l'a pas seulement surprise, mais a également irrité son frère aîné Bobby. Il pensait que Debbie ne saurait pas gérer une telle somme d'argent et décida de contester son droit à cet héritage. Ces événements ont immédiatement conduit à une rupture dans leur relation. Bobby commença à insister pour que Debbie lui laisse gérer ses finances et essaya aussi de la convaincre de venir vivre avec lui. La dispute au sujet de l'argent non seulement détériora leur relation, mais provoqua aussi des tensions parmi les autres membres de la famille. Debbie, qui n'avait jamais possédé une telle fortune auparavant, se trouva dans une situation difficile, ce qui aggrava encore sa situation. Debbie commença à acheter activement diverses choses qu'elle ne pouvait pas se permettre auparavant. Six désirs ressemblaient à une liste de cadeaux de Noël, et comme un enfant, elle voulait tout avoir immédiatement. Elle rêvait d'un baby foot, d'un jeu de fléchettes, d'une table de billard et d'une table de ping pong. Très vite. La situation échappa à tout contrôle. Avec l'arrivée d'Internet, Debbie se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de Barbara pour faire des achats. Maintenant, elle pouvait tout commander en ligne et dépenser de grosses sommes pour des objets de collection rares, comme la première édition de Star Wars. Quand Barbara réalisa que l'argent pourrait bientôt manquer, elle décida de travailler dans un magasin de bricolage. Pour subvenir à ses besoins. Pendant que Barbara travaillait et ne pouvait pas surveiller sa sœur, Déby pouvait passer des heures sur l'ordinateur à passer de nombreuses commandes. Dès que Barbara reçut l'héritage, elle commença à persuader Déby d'acheter un appartement. Avec le temps, elle réussit à convaincre sa sœur. L'agent immobilier leur trouva une caravane confortable avec trois chambres et un terrain adjacent. Debbie utilisa tout l'argent restant de l'héritage pour la compte de la nouvelle maison. En trois ans, elles dépensèrent 350 000 dollars. Une fois l'argent épuisé, les relations entre les sœurs se tendirent. Debbie demandait constamment de l'argent à Barbara, mais celle-ci expliquait qu'il n'y avait plus de fonds disponibles. Cela provoqua une grande irritation chez Debbie elle devint nerveuse et angoissée. Parfois, elle commençait à lancer des objets en direction de sa sœur et parfois essayait de lui faire du mal. Barbara, qui avait vécu de nombreuses années avec débit, avait appris à gérer ses crises émotionnelles en essayant de la calmer rapidement et sans jamais élever la voix. Barbara gardait toujours ses sentiments sous contrôle et ne se plaignait jamais du comportement de sa sœur. Ni les collègues au travail, ni les voisins n'entendirent jamais un mot négatif de sa part sur sa sœur. Mais avec le temps, il devint de plus en plus difficile de supporter son comportement. Pour se calmer un peu, Barbara se permettait parfois un verre. Cela l'aidait à se détendre et à oublier ses soucis. Ces courtes pauses lui apportaient un sentiment de soulagement et de tranquillité. Debbie n'aimait pas que Barbara boive, car dans ces moments-là, elle ne lui prêtait pas attention. Lorsqu'elles achetèrent une maison, pour laquelle elle devait rembourser une hypothèque, Barbara décida de prendre un deuxième emploi. Elle savait que cela lui coûterait beaucoup de temps et d'énergie, et qu'elle serait rarement à la maison, laissant Déby seule. La nouvelle qu'elle devrait rester seule ne lui plaisait pas. Déby avait besoin de soutien et d'attention, et la perspective de la solitude ne lui plaisait pas du tout. Barbara, inquiète pour sa sœur, craignait qu'elle puisse faire confiance à un inconnu. Pour assurer sa sécurité, elle décida d'acheter un pistolet et d'apprendre à Debbie comment l'utiliser. Lorsque Debbie était seule, elle trouvait du réconfort dans les échanges en ligne. Cela lui permettait de se faire de nouveaux amis sans quitter la maison. Bientôt, elle fit la connaissance d'un homme via internet et leurs conversations devinrent régulières. Debbie commença à lui envoyer divers objets de collection, des t-shirts et d'autres cadeaux. L'homme, qui vivait à Miami, montra de l'intérêt pour une rencontre plus étroite et proposa de lui rendre visite chez elle. Cette idée inquiéta Barbara. Elle n'était pas sûre des intentions de cet inconnu. Pourtant, Déby maintint le contact avec son nouvel ami, appréciant les conversations et les cadeaux qu'ils échangeaient. Barbara évitait toujours les hommes en raison de sa timidité et de la peur d'être blessée. Contrairement à elle, sa sœur était ouverte aux nouvelles rencontres et se réjouissait de l'opportunité d'avoir un rendez-vous pour découvrir ce que c'était. Sa romance virtuelle se développa rapidement et bientôt l'homme la demanda en mariage. Elle accepta joyeusement et commença les préparatifs de mariage en achetant une robe, un voile et tout. Ceux qui étaient nécessaires. Mais un mois avant la date prévue, le fiancé vint voir Déby avec la nouvelle que leur mariage n'aurait pas lieu. La raison était que sa mère désapprouvait le choix de son fils. Elle ne voulait pas voir Déby comme sa belle-fille. Cette nouvelle fut un coup dur pour Déby. La déception et la douleur l'envahirent et elle commença à exprimer ses émotions négatives envers ses proches. Quand Déby parlait avec Barbara, elle était encore plus sévère et tenait souvent sa sœur responsable de ses propres échecs. Barbara, comme toujours, acceptait toutes les accusations et les plaintes en silence et ne se plaignait jamais. Déby avait de grands espoirs en Barbara et cette dernière s'efforçait de les satisfaire, de son mieux. Mais tout comme leur mère, Déby pensait que ce n'était pas suffisant. Elle demandait constamment de l'attention et de l'aide, qu'elle ne recevait pas toujours en totalité. La relation entre les sœurs devenait de plus en plus tendue. Pendant quarante ans, Barbara était obligée de s'occuper des deux, tandis que Déby ne faisait que des demandes et ne rendait rien en retour. Cette attitude et les critiques constantes de Déby firent que Barbara ne rêvait plus que de quitter sa sœur au plus vite. Mi-août 2004, Debbie célébrait son 40e anniversaire. Les sœurs décidèrent de célébrer ce jour avec un dîner festif. Mais le repas ne se passa pas sans dispute. Elles commencèrent à se disputer au sujet de l'argent. Debbie faisait souvent des achats en ligne, ce qui agaçait Barbara en raison du manque d'argent. Après le dîner, Barbara annonça qu'elle partirait à Virginia Beach pour chercher du travail. Son plan était de vendre leur maison et de déménager à Virginia Beach avec Debbie, où elle pensait pouvoir trouver de bonnes opportunités de gain. Cette ville rappelait à Barbara son enfance heureuse. Ces mots provoquèrent une forte émotion chez Debbie, qui éclata en larmes et exprima son mécontentement. Elle dit à haute voix qu'elle ne voulait pas que Barbara parte. Cette scène fut la goutte d'eau pour Barbara qui avait longtemps tenté de rester calme pour le bien de la famille. Finalement, elle déclara fermement que la décision était prise et qu'elle partirait le lendemain pour Virginia Beach. Le 1er mai 2005, neuf mois après le déménagement de Barbara à Virginia Beach, la banque cessa de recevoir les paiements hypothécaires et mit la maison en vente pour rembourser les dettes. Avant cela, une entreprise fut engagée pour remettre la maison en état. Pendant les travaux, les employés découvrirent une personne qui était restée sous le matelas pendant une longue période. L'expert conclut après l'examen que la cause de l'incident était une blessure à la tête. Une petite plaie fut trouvée sur le front. De plus, une balle et une arme furent trouvées sur les lieux. Près de la personne se trouvait une boîte de munitions dont une balle manquait. En se basant sur les dossiers médicaux, les enquêteurs déterminèrent qu'il s'agissait de Debbie Burns. Ce cas comportait de nombreuses énigmes, car personne n'avait signalé sa disparition. Les enquêteurs décidèrent de se tourner vers la sœur aînée de Barbara, car elle pourrait fournir des informations importantes. Mais d'anciens collègues et voisins ne savaient pas où elle vivait actuellement, ce qui compliquait les recherches. En vérifiant les informations de débit, les enquêteurs découvrirent qu'elle recevait des paiements d'invalidité. Ce qui les surprit le plus, c'est que cet argent continuait à être versé sur un compte. Après avoir demandé les dossiers bancaires, ils apprirent que les fonds étaient transférés sur un compte à Virginia Beach, enregistré au nom de Barbara Burns. Les enquêteurs se rendirent immédiatement à Virginia Beach, où ils trouvèrent Barbara. Travaillant dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, elle rencontrait souvent diverses difficultés. Un jour après son service, elle fut convoquée au poste de police pour un interrogatoire. Au début, elle nia à avoir des proches, affirmant qu'elle n'avait ni sœur, ni autre membre de la famille. Les enquêteurs lui montrèrent une photo d'une femme nommée Debbie, et soudain, l'expression du visage de Barbara changea. Elle reconnut que c'était sa sœur et demanda immédiatement de ses nouvelles. Les policiers expliquèrent que sa sœur avait été trouvée chez elle, à côté d'encens, sur lesquels se trouvaient les empreintes digitales de Barbara. Les enquêteurs la laissèrent sans voix, et ajoutèrent ⁇ Barbara, tous ceux avec qui nous avons parlé disent que vous êtes une personne merveilleuse. Vu tout ce que vous avez traversé, vous êtes un ange. Déby s'est comporté égoïstement et sans respect envers vous. Ces mots touchèrent Barbara. Et elle commença à raconter son histoire. Barbara ressentait un profond regret avant de commettre l'acte décisif envers sa sœur. À un moment donné, elle ne put plus supporter la pression. Quelque chose en elle changea. Des années de soins constants pour débit, quatorze ans de demandes incessantes, de plaintes et de caprices de sa sœur et de leur mère laissèrent leurs traces. Barbara avoua qu'après l'incident, elle resta un mois et demi avec sa sœur dans la maison. Elle acheta des désodorisants et les dispersa dans la maison pour réduire l'odeur désagréable. Après l'interrogatoire, Barbara fut arrêtée. Au tribunal, son passé, les témoignages de connaissances et son aveu furent pris en compte. Barbara Burns fut condamnée à 15 ans de prison, mais la prison lui ouvrit de nouveaux horizons inattendus. La cellule de prison lui rappelait la résidence universitaire dont elle avait rêvé dans sa jeunesse. Ici, elle put être elle-même pour la première fois, sans la pression extérieure. Dans cet environnement, Barbara trouva de nouveaux amis et put enfin se concentrer uniquement sur ses propres besoins. Elle n'avait plus besoin de penser à préparer des dîners ou à satisfaire d'autres souhaits. Chaque jour, elle passait son temps à discuter avec ses amis et à profiter des plaisirs simples de la vie. Ces journées étaient remplies de conversations et de visionnages d'émissions de télévision, des activités auxquelles elle n'avait jamais eu le temps de se consacrer auparavant. Personne ne lui demandait de faire quoi que ce soit ou d'aller quelque part. C'est dans ces conditions qu'elle trouva sa véritable liberté, malgré toutes les restrictions. Après douze ans de prison, en 2018, Barbara Burns fut libérée. Dans la petite communauté de Heats dans l'État du Tennessee, un incident choquant s'est produit le 7 août 1992. Une femme aimante a été enlevée de sa propre maison. Pour les habitants, c'était un grand choc, et la famille de la femme était profondément bouleversée. Le FBI a tenté de piéger le coupable. Mais le seul indice qu'ils avaient était un appel avec une demande de rançon. Un homme inconnu a appelé le mari de la femme et a menacé que les conséquences seraient irréversibles si SS conditions n'étaient pas remplies et que le mari ne reverrait jamais sa femme. La communauté de Hitz est une petite colonie, à environ 30 minutes de Memphis, où en 1992 vivaient environ 500 à 600 personnes. C'est une zone rurale où tout le monde se connaissait et où il y avait peu de crimes. Lorsque ce, ce crime s'est produit, les habitants étaient choqués et ne pouvaient pas y croire. Martha Roberts, appelée Doe par SS Proche, a épousé Allen Roberts en 1948. Il n'avait pas d'enfants et possédait plusieurs entreprises prospères à Memphis. Le couple a vendu son entreprise et a acheté 60 hectares de terre à Eats. Où ils ont construit une maison et menaient une vie tranquille et paisible. Leur relation était harmonieuse et ils se complétaient parfaitement. Do était connu pour sa gentillesse et essayait toujours d'aider les autres. Ce jour fatidique, Allen ne soupçonnait rien de mal et est allé à une réunion avec un acheteur potentiel de l'une de ses maisons. Il est parti à 10 heures du matin et a préparé la maison pour la visite. Mais la personne, avec qui la réunion avait été convenue, ne s'est pas présenté. Vers 5 heures de l'après-midi, Allen termina sa journée de travail et rentre chez lui. En arrivant, il remarque que la porte du garage est ouverte. Malgré cette vue inhabituelle, la voiture est à sa place et à côté se trouve le vélo de sa femme, ce qui lui paraît très étrange. Dans la maison, Allen cherche sa femme mais ne peut la trouver nulle part sur la table de la cuisine, il remarque l'inhalateur de sa femme, ce qui l'inquiète beaucoup car elle souffre d'asthme et a été hospitalisée plusieurs fois. Elle ne peut pas se passer de ces médicaments. Alain ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. La journée touche à sa fin et il commence à appeler des amis et des connaissances pour découvrir où pourrait être allée sa femme. Quand il décide d'appeler la police, il ne peut pas composer le numéro. À ce moment-là, il reçoit un appel d'un criminel. L'interlocuteur dit à Allen qu'il ne reverra jamais sa femme s'il ne satisfait pas à toutes ses demandes. Le criminel exige une rançon de 100 000 dollars. En réalisant la gravité de la situation, Allen essaie d'allumer le répondeur automatique. Pour enregistrer la conversation, mais le délinquant, comme s'il avait prévu ses intentions, lui ordonne de retirer la cassette du répondeur et de la détruire. Allen obéit et exécute l'ordre. Ensuite, il appelle immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, des sirènes se font entendre dans la rue. La police, le shérif et des agents du FBI arrivent rapidement sur les lieux du crime. Les enquêteurs du FBI examinent toutes les portes et fenêtres de la maison à la recherche de signes d'effraction, mais ne trouvent rien. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de la maison, il n'y a de signes de résistance. La première chose à faire était de clarifier ce qui s'était passé. Les agents ont commencé à interroger Allen sur le contenu de sa conversation avec le criminel et les détails de son discours. Mais l'homme était sous le choc. Il restait assis en silence, regardant un point fixe et ne voulant rien dire. Allen décida finalement de parler de l'appel. Il rapporta qu'il avait reçu un appel d'un homme avec un accent étranger, qui prétendait avoir d'eau en sa possession et demandait cent mille dollars. De plus, il ordonna à Allen de ne pas aller à la police. Cependant, les agents du FBI soupçonnèrent que quelque chose n'allait pas dans son histoire. Il était inhabituel que le coupable ne donne pas de directive claire pour la remise de l'argent. Normalement, dans de telles situations, il y a des exigences claires, et les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre les motifs dans ces EK. Ils commencèrent d'abord par interroger tous les membres de la famille, pour les exclure du cercle des suspects. Allen Roberts fut le dernier à avoir vu sa femme d'eau, et le seul... À avoir parlé avec le ravisseur présumé, le FBI entreprit une enquête approfondie sur tout, ce qui concernait la vie et la personnalité de M. Roberts, son statut social et son entourage. Entre-temps, les enquêteurs continuèrent à rechercher la femme. Cette année-là, de tels CAs étaient extrêmement rares, et à Itza, ils n'étaient pas attendus du tout. Cela rendait la disparition encore plus mystérieuse. Personne ne pouvait comprendre ce qui était arrivé à Doe. Allen Roberts espérait que le ravisseur se manifesterait à nouveau et indiquerait le lieu de remise des cent mille dollars. Mais Allen ne se doutait pas que le FBI avait ses propres soupçons sur l'identité du ravisseur. Les enquêteurs savaient que le principal suspect est souvent quelqu'un de proche de la personne disparue. Pour vérifier la théorie sur l'implication possible d'Allen. Le FBI installa des dispositifs d'écoute dans sa maison. Les agents placèrent des micros dans toute la maison pour écouter autant que possible. De plus, des enquêteurs étaient postés dans la maison des Roberts, au Sa, où le ravisseur reprendrait contact. Alors qu'Allen et les agents du FBI attendaient un appel important, une des voisines raconta quelque chose de suspect. Elle dit avoir vu une camionnette blanche entrer et sortir de leur quartier. La police décida de trouver immédiatement cette camionnette et commença les recherches en conduisant sur l'autoroute de Memphis en Arkansas à Jackson en Tennessee. En effet, ils découvrirent une camionnette blanche dans un des motels en bord de route. Les policiers frappèrent à la fenêtre du véhicule et dirent au propriétaire qu'une fouille était nécessaire. Bien que les propriétaires de la camionnette fussent mécontents, ils permirent aux agents de le faire. Il s'avéra qu'ils n'étaient pas des locaux, mais seulement des voyageurs perdus. Ils avouèrent avoir été à Hitz. Mais c'était une fausse piste. Tout le monde était déçu, car ils espéraient que cette piste aiderait à ramener d'eau à la maison. Pendant ce temps, les policiers continuaient de fouiller la zone autour de la maison des Roberts, avec des hélicoptères et des équipes au sol. Cependant, leurs efforts restèrent vains. Le lendemain, les agents du FBI interrogèrent à nouveau Allen Roberts pour découvrir où il se trouvait au moment de l'incident. Les soupçons contre lui augmentèrent, car il s'avéra qu'il était le dernier à avoir vu d'eau ce matin-là quand il partit au travail. Allen rapporta que la veille de l'incident, un homme nommé Sam Wagner de l'Indiana avait appelé, qui voulait acheter la propriété avec la maison des Roberts. Doe remarqua que l'homme avait un fort accent et ne parlait pas très bien. Cela devint une nouvelle piste pour les enquêteurs, car le suspect et l'acheteur potentiel avaient tous deux un fort accent. Le FBI commença une enquête sur Sam Wagner de l'Indiana, pour découvrir son identité. Et tous les détails possibles. Cependant, il se révéla bientôt que Sam Wagner était un nom fictif. En Indiana, personne avec ce nom intéressé par l'achat d'une propriété ne fut trouvé. C'était comme s'il était un fantôme. Finalement, les soupçons contre Allen se renforcèrent encore. Quelques jours passèrent et le contact avec le coupable ne put être établi. L'homme décida alors. De ne plus attendre. Le mardi, Allen fit une déclaration, dans laquelle il demanda au coupable de prendre contact pour remettre la rançon. Trois jours plus tard, sans avoir reçu de réponse, il offrit une récompense. Malgré la résistance du FBI, Allen organisa une conférence de presse et déclara qu'il était prêt à payer dix mille dollars à celui qui lui ramènerait d'eau. Roberts, qui était riche, pouvait se permettre d'offrir cette somme considérable. Il espérait que l'argent inciterait les gens à fournir des informations sur la localisation de sa femme. Le temps passa, mais rien ne se produisit. Les agents du FBI restèrent plusieurs jours dans la maison des Roberts. Comme le coupable n'appela pas, il n'y eut aucune nouvelle piste. Ils déménagèrent dans une maison libre à Itaka, où ils installèrent un quartier général. Pour discuter de l'évolution de l'enquête loin de M. Roberts et des autres personnes. Tout indiquait qu'Allen était le principal suspect, mais cela changea lorsque le téléphone sonna à nouveau. Un soir, au début du mois d'octobre, Allen reçut un appel. L'appelant parlait avec un fort accent et exigea qu'Allen trouve la cabine téléphonique indiquée par lui. Allen se rendit immédiatement sur place et répondit à l'appel. La voix à l'autre bout de la ligne demanda 185 000 dollars en liquide. Tout le monde s'attendait à ce que le coupable donne enfin des instructions pour la remise de la rançon, mais cela ne se produisit pas. Il ne mentionna ni l'heure ni le lieu pour l'échange de l'argent contre Doe. Le FBI continuait de soupçonner qu'Allen pouvait être impliqué, car il n'y avait aucune preuve directe de l'existence d'un autre coupable. Alain ignora ses soupçons et poursuivit ses tentatives de contacter les coupables. Devant la caméra, il ne paraissait pas convaincant. Sans connaître ses expériences, on pouvait penser qu'il était coupable. Le temps passa et Alain devint de plus en plus déprimé. Il ne savait pas comment continuer à vivre. Le sentiment de solitude augmenta. À un moment donné, Alain décida qu'il avait besoin de compagnie, et commença à inviter des femmes à dîner et au cinéma et à danser avec elles. Cela déclencha une vague de commérages dans la paroisse. De nombreuses femmes, surtout de la paroisse, considéraient son comportement comme inapproprié. Il y avait des rumeurs qu'il pouvait avoir d'autres femmes et qu'il ne prenait pas son mariage avec dos au sérieux. Seuls quelques amis proches et membres de la famille soutenaient sa décision. De ne pas s'isoler et de continuer à rester en contact avec les gens. Allen a fondé le soi-disant Club du Gratin, comme il l'appelait. Ce club comprenait des femmes, qui se souciaient sincèrement de lui et lui apportaient de la nourriture, pour le soutenir en l'absence de dos. De longues files de personnes se formaient devant sa maison, pour le consoler. Les femmes essayaient de nourrir haleine en voyant son état. Mais de nombreux habitants ont commencé à bavarder et à faire diverses suppositions. Son comportement et ses actions sont devenus le sujet de conversation de la communauté locale. Les activités sociales d'Allen ont attiré l'attention du FBI, qui le soupçonnait de plus en plus, mais n'osait pas encore le confronter directement. En hiver 1993, plusieurs personnes de Hitz. Ont signalé avoir été contactés par quelqu'un avec un fort accent. Parmi elles se trouvait Malinda Lancaster, une amie de Doe. Elle a contacté le FBI et a expliqué qu'elle voulait transmettre un message au nom de Doe. Malinda a offert aux auteurs de leur indiquer où remettre la rançon, dans l'espoir que cette personne ne veuille plus avoir de contact avec Allen Robertson. Elle a essayé de le convaincre. Que l'argent serait remis, s'il disait. Où se trouvait d'eau? Mais l'appelant n'a jamais donné de directives claires sur ce qu'il fallait faire de l'argent. Bientôt, d'autres villageois ont reçu des appels similaires. Dans ces appels, il était affirmé qu'Allen se fichait du sort de sa femme et ne s'intéressait qu'à l'argent. Le FBI a déclaré qu'il préférait parler à une femme plutôt qu'à un appelant mystérieux. Il voulait qu'il lui donne la possibilité de parler à quelqu'un qui pourrait reconnaître sa voix. Mais Laplan n'a jamais donné de directive précise, et n'a jamais dit quand il libérerait d'eau. Les habitants d'itza étaient préoccupés par les appels constants. Imaginez, quelqu'un regarde tranquillement la télévision le soir, quand soudain le téléphone sonne. Un inconnu à l'autre bout du fil accuse M. Roberts d'avoir engagé des éléments criminels. Cette personne affirmait qu'Allen avait refusé de payer la rançon, ce qui a poussé certains membres de la communauté de l'église locale à décider de collecter de l'argent pour payer la rançon de Madame Roberts. Lorsque les appels avec le message qu'Allen ne voulait pas payer sont arrivés aux habitants, ils ont commencé à parler de sa possible implication dans l'incident. Même le chef de l'église, Charles Lord, qui était un fidèle partisan d'Haleine, a commencé à avoir des doutes. Il a remarqué que M. Roberts et sa femme avaient des problèmes de relation et que Roberts portait attention à d'autres femmes. Le FBI s'est immédiatement activé en CE qui concerne Haleine. Il a été interrogé pendant des heures, toujours avec les mêmes questions, auxquelles il donnait toujours les mêmes réponses. Allen a admis qu'à un moment donné, il ne comprenait plus ce qui se passait. Un jour, le FBI a amené une pelleteuse à l'endroit où ils brûlaient ses déchets, et ils ont creusé un grand trou dans l'espoir de trouver quelque chose. Cependant, ils n'ont trouvé que des déchets. La police n'a pas pu prouver l'implication d'Alain dans la disparition de Doe, mais pour la communauté locale, il était coupable. Tout le monde supposait que c'était Alain, et sa famille en a souffert. Allen est tombé de plus en plus dans la dépression ce qui inquiétait ses proches. Un jour, il a dit à son neveu qu'il ne savait pas combien de temps il pourrait encore tenir, il n'avait presque plus de force, et voulait mettre fin à tout cela. Bien qu'il n'ait pas dit comment, son neveu a pris par précaution des objets de sa maison qui pourraient être utilisés à des fins inappropriées. Le 4 mars 1993, le criminel a appelé de manière inattendue une station de nouvelles locales. Le journaliste, qui a pris l'appel, a activé le haut-parleur et a commencé à enregistrer la conversation avec un magnétophone sur son bureau. L'appelant a dit que la femme de Roberts n'était plus là et que personne ne la reverrait. Le journaliste a essayé de prolonger la conversation, dans l'espoir d'entendre des bruits de fond qui pourraient aider dans l'enquête. Mais la personne à l'autre bout ne faisait que répéter qu'il n'y avait plus rien à faire pour Do Roberts. Le journaliste a alors demandé comment il pouvait en être sûr et où elle se trouvait. Le criminel, irrité par les questions, a juré, a dit qu'il voulait parler lui-même, et a brusquement terminé l'appel. Le lendemain, il a rappelé et a affirmé que Doe était vivante, changeant complètement son histoire. Au cours de la conversation, le journaliste a demandé où l'argent devait être apporté. Et pour la première fois au cours de l'enquête, la date et le lieu de la réunion ont été mentionnés. L'argent devait être remis dans l'un des grands centres commerciaux de la ville, le criminel insistant, pour qu'Alan le fasse personnellement. Alan ne voulait pas y aller seul et a emmené son neveu avec lui. Ils se sont rendus sur le parking devant le centre et ont commencé à attendre. En même temps, des enquêteurs en civil étaient sur le parking et notaient les plaques d'immatriculation de toutes les voitures. C'était un moment critique, mais le criminel n'est pas apparu. Le prochain à recevoir un message fut Charles Lord, un voisin de Roberts. Cette fois, il a reçu une lettre, dans laquelle quelqu'un avouait l'affaire d'eau. Charles a affirmé que les lettres arrivaient régulièrement. Donc les policiers ont installé une caméra de surveillance dans la maison des oiseaux en face de la boîte aux lettres, pour suivre qui apportait les lettres. Mais chaque fois que le suspect atteignait la boîte aux lettres, la caméra s'arrêtait de fonctionner et aucune image n'était enregistrée. Les agents étaient déçus car ils avaient perdu l'occasion d'identifier le suspect. À l'été 1993, Certains membres de la famille Doe se sont réunis pour essayer de découvrir qui se cachait derrière cette affaire. Les neveux de la femme, William Powell et Larry Knox, étaient contrariés parce que le FBI et la police ne leur fournissaient aucune information, alors ils ont lancé leur propre enquête. Ils soupçonnaient une personne et ont élaboré un plan pour lui tendre un piège. Les frères ont donné au suspect un numéro de téléphone que seuls eux trois connaissaient. Ils voulaient vérifier si le suspect appellerait ce numéro. C'était le numéro de l'un des frères, qui n'était pas dans l'annuaire. Le lendemain, le téléphone de ce numéro non répertorié a sonné. Les frères Knox ont pensé qu'ils avaient trouvé le bonhomme et ont convenu de se rencontrer au motel, pour remettre l'argent. Ils ont mis des liasses de billets sur le lit, les ont recouvertes d'un drap, et ont attendu. Après quarante-cinq minutes, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Charles Lord. Ils avaient soupçonné que c'est eux pouvaient être lui, et quand ils l'ont vu à la porte, ils ont à peine pu se contenir, pour ne pas agir imprudemment. Charles Lord jouissait d'un grand respect dans l'église méthodiste locale, et de nombreux habitants de Itza l'appréciaient. Quand Charles a senti que quelque chose n'allait pas, il a dit qu'il était venu. Pour aider et a demandé qu'on lui donne l'argent pour ramener d'eau à la maison. Les frères Knox ont refusé et Lord a alors commis une erreur. Au téléphone, ils avaient reçu des instructions claires sur qui devait être dans la chambre du motel. L'argent devait être remis par leur mère, mais les frères ont décidé que c'était trop dangereux. Lord a dit Pourquoi êtes-vous ici Votre mère devrait être ici. Les frères ont alors demandé comment ils le savaient, car seuls les auteurs le savaient. Charles Lord s'est mis en colère, a commencé à se comporter de manière agressive et s'est soudainement enfui du motel. Les frères l'ont immédiatement signalé au FBI. Les agents du FBI ont agi rapidement dans l'espoir que Do soit encore en vie et qu'ils puissent l'aider. Après que les enquêteurs ont parlé aux employés du fonds d'entraide, ils ont appris. Que M. Lord s'était accordé un prêt considérable d'environ 200 ou 300 000 dollars. Pour obtenir ces Fonds, il a falsifié des documents. En analysant ses dossiers financiers, il a été découvert qu'il avait également détourné de l'argent de l'Église, au moins 14 000 dollars. Seul le comptable de l'Église le savait. Le FBI a bientôt découvert un détail important, la comptabilité, qui était maintenant tenue par Charles avait été auparavant faite par Doe. Il craignait qu'elle ne découvre ses manœuvres. Le FBI a présenté toutes les preuves trouvées à Charles Lord. Lors de l'interrogatoire, il a immédiatement admis qu'il était impliqué dans la disparition de Doe et a raconté les événements du 7 août 1992, le jour de sa disparition, expliquant que le motif était un gain financier. Il s'est présenté comme Sam Wagner, et a pris rendez-vous avec M. Roberts à 10 heures du matin pour voir une propriété. Sachant que M. Allen ne serait pas à la maison, il a planifié ses actions. Lord est allé la voir et lui a dit que son mari avait eu un accident et qu'elle devait l'accompagner à l'hôpital. Lorsque Mme Roberts est montée dans sa voiture, il l'a emmenée chez lui et l'a enfermée dans une chambre au-dessus du garage. Charles a avoué qu'il avait fait quelque chose d'autre avant le crime, dont je ne peux pas parler en raison des règles de la plateforme. Pendant tout ce temps, sa femme était à la maison. Peu importe combien de fois on lui demandait ses motifs, il insistait obstinément, qu'il avait tout fait pour l'argent. Cependant, il n'indiqua jamais où et comment la rançon devait être livrée. Les policiers soupçonnaient que Charles appréciait avoir le contrôle sur le déroulement de l'enquête, et prenait plaisir aux événements dans le village. C'était son véritable gain. Cependant, la police ne savait toujours pas où se trouvaient les preuves de ses crimes, et s'efforçait de le découvrir. Lord a affirmé qu'il avait éliminé les preuves en les jetant dans la rivière. Les plongeurs ont fouillé la rivière toute la journée à la recherche des objets personnels de Doe Roberts, mais n'ont rien trouvé. C'est alors que les enquêteurs du FBI ont compris que Lord avait inventé cette histoire. Ils ont contacté ses avocats qui en avaient tassé des jeux sans fin. Charles Lord devait dire la vérité pour atténuer sa peine. L'avocat a préparé un accord. Si Lord révélait l'emplacement des preuves et avouait sa culpabilité, l'État ne demanderait pas la peine la plus sévère. Finalement, Lord a avoué la nuit de l'incident. Il a creusé un trou dans son jardin, enterré les preuves sous un tas de compost frais, les a recouvertes de chaux et les a scellées avec du ciment. Lorsque la police a creusé à l'endroit indiqué, elle a découvert que les preuves avaient été conservées grâce aux conditions dans lesquelles elles avaient été enterrées. Parmi les objets trouvés, il y avait des détails, suggérant que d'eau aurait pu être aidée cette nuit-là. Le 16 septembre 1993, Charles Lord a été reconnu coupable d'un crime de premier degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 20 ans. Après avoir été soupçonné pendant une année entière d'être impliqué dans l'incident avec sa femme bien-aimée, Allen Roberts a finalement été acquitté. Après la condamnation de Charles Lord, Allen a décidé de déménager. Allen est apparu à l'église méthodiste locale et a exprimé sa déception et sa tristesse que la communauté soit contre lui. Il a demandé que son nom soit retiré de la liste des membres de l'église. S'est retourné et a quitté l'église sans jamais revenir. Allen a quitté Itz et s'est marié en 1994 avec Esther Hammonds, l'une de ses partenaires de danse avec qui il a vécu heureux jusqu'à la fin de sa vie. Charles Lord, quant à lui, a passé le reste de sa vie en prison. Dans la ville de Koch, dans l'État d'Indiana, Anita Aldridge, âgée de 21 ans, a terminé ses études universitaires en juin 1998 et a commencé sa vie d'adulte. Elle travaillait, passait du temps avec ses amis, et aidait à l'église le week-end, ce qui lui apportait joie et satisfaction. Les semaines suivantes, elle se préparait pour le mariage de sa meilleure amie, où elle devait être demoiselle d'honneur. Avec ses amis, elle choisissait des robes et envoyait des invitations, remplissant leur journée de tâches et de moments heureux. Le 25 juin 1998 était une journée ordinaire, chaude et ensoleillée. Anita voulait déjeuner avec sa grand-mère, son grand-père et son ami avant de se rendre à son poste de l'après-midi à la compagnie maritime. Elle ne savait pas que ce jour allait changer sa vie pour toujours. Vers midi 30, la mère d'Anita est rentrée chez elle et a été surprise de voir l'ami de sa fille devant leur maison. Il a raconté qu'il était arrivé à midi moins le quart pour déjeuner avec Anita, mais qu'elle n'était pas à la maison. Il a décidé d'attendre en pensant qu'elle reviendrait du magasin. La porte du garage ouverte a attiré l'attention de la femme, et l'absence de la voiture de sa fille a intensifié son inquiétude. La porte d'entrée n'était pas non plus verrouillée, et à l'intérieur, elle a trouvé quelques taches rouges foncées. Inquiète pour sa fille, elle a appelé la police. Les agents de police arrivés sur place ont commencé l'enquête sur la disparition d'Anita. Sa berline bleue a été signalée comme recherchée. Les experts ont prélevé des échantillons et relevé des empreintes digitales sur toutes les surfaces. Les parents d'Anita l'ont décrite comme une personne responsable, qui ne disparaîtrait jamais sans explication. Les enquêteurs ont interrogé son ami, qui a dit qu'il était là depuis son arrivée jusqu'au retour de sa mère. Il avait 90 minutes sans alibi mais il a accepté de venir pour un interrogatoire plus approfondi au poste de police. Dans la chambre d'Anita, les experts ont trouvé ses vêtements de travail. La mère a rapporté qu'elle avait parlé avec le patron d'Anita juste avant l'arrivée de la police, qui a dit qu'Anita n'était pas venue travailler. Il était surpris de son absence, car elle était une employée très fiable. Pendant la fouille de la maison, la mère d'Anita a remarqué qu'un peignoir rouge récemment acheté manquait. Sur l'étagère de la salle de bain, les lunettes et les lentilles de contact de la disparue étaient restées. En raison de sa mauvaise vue, Anita ne conduisait jamais sans elle. Mais tout comme la jeune fille, la voiture avait également disparu. Le lit était sans couverture ni drap, ce qui a immédiatement suscité les soupçons des enquêteurs. Ils ont supposé qu'ils pourraient trouver des traces sur le matelas avec une lampe UV. Les techniciens médico-légaux ont examiné le lit minutieusement, espérant trouver des indices. Mais le linge de lit était propre. Dans le garage, les enquêteurs ont trouvé un morceau de ruban adhésif avec une mèche de cheveux, apparemment ceux d'Anita. La police a supposé que le ruban avait été utilisé pour bâillonner la jeune fille. Si tel était le CAS, Anita pouvait être encore en vie en quittant la maison. Des équipes sinophiles ont fouillé les environs, mais n'ont rien trouvé. Après la fouille de la maison, les enquêteurs ont commencé à rechercher des témoins. Un des voisins, qui vivait en face de la famille Aldridge, a rapporté qu'il avait vu vers 10h30 un homme avec un sac à dos bleu près de la maison. Cependant, il n'a pas pu reconnaître son visage. À ce moment-là, la police ne pouvait que faire des suppositions sur ces eux qui avaient pu arriver à la jeune fille. La pire crainte était qu'elle ait été enlevée. Des souvenirs d'Anita Aldridge. Le matin du 25 juin, je voulais aller déjeuner chez mes grands-parents. Vers 10 heures, quelqu'un a sonné à la porte. Je suis allé ouvrir, mais j'ai marché sur quelque chose de pointu. Néanmoins, j'ai continué vers la porte. En reconnaissant le visiteur, je lui ai proposé un verre d'eau, sachant qu'il faisait souvent du vélo et qu'il faisait très chaud ce jour-là. À ce moment-là, le téléphone a sonné et je l'ai invité à entrer dans la maison pour que je puisse répondre. Après la conversation, j'ai ressenti une piqûre et, en me retournant, j'ai senti un choc électrique qui a paralysé mes jambes. J'étais étourdi et je ne comprenais pas d'abord ce qui se passait. Après quelques minutes, j'ai compris que j'avais été attaqué. J'ai essayé de me défendre, mais il était beaucoup plus fort que moi. À travers les dents serrées, il m'a ordonné de rester calme et a montré une arme. Il a dit qu'il était venu me cambrioler. Je lui ai dit où se trouvaient l'argent et les clés de la voiture, espérant qu'il partirait. Mais il a répondu qu'il allait m'emmener hors de la ville. Pour que je ne puisse pas appeler la police pendant qu'il retirait mon argent. Il a enfilé des vêtements de femme et m'a enfermé dans le coffre de ma voiture. J'étais pleine de peur, en réalisant qu'il faisait environ 40 degrés dehors. Bientôt, j'ai compris qu'il n'était pas allé loin de la ville quand j'ai entendu le crissement du gravier sous les pneus et le silence après l'arrêt. Il a ouvert le coffre et m'a demandé pourquoi j'étais importante pour lui. J'ai répondu qu'il voulait me voler, mais il a dit qu'il avait d'autres objectifs. À ce moment-là, j'ai essayé de me distraire avec des pensées agréables pour ne pas penser à ce qui se passait. Il m'a emmené à l'étage et m'a enfermé dans un placard, en me disant de ne pas essayer de fuir. À ce moment-là, j'ai prié Dieu pour être sauvé, bien que je ne puisse pas croire que cela m'arrivait. Le lendemain matin, les enquêteurs ont rencontré une personne qui prétendait avoir téléphoné à Anita le matin de sa disparition. C'était un ami du père d'Anita et les relevés téléphoniques ont confirmé ses propos. Il a appelé vers 10h30 du matin et a demandé à parler au père d'Anita. Anita a pris l'appel et a dit que son père n'était pas à la maison et lui a demandé d'attendre car quelqu'un frappait à la porte. Anita est revenue au téléphone, a pris le message. Mais n'a pas mentionné qui était venu exactement. Après cet appel, les enquêteurs ont soupçonné qu'Anita avait peut-être été enlevée. La police pensait que le ravisseur pourrait contacter la famille pour demander une rançon. Le même jour, des dispositifs d'écoute ont été installés sur la ligne téléphonique de la maison pour être prêts au SAAS où un tel appel viendrait. Mais il n'y a pas eu d'appel. En même temps, les enquêteurs ont commencé à chercher des personnes qui auraient pu avoir un motif pour nuire à Anita. Ils ont vérifié tous ceux qui étaient en contact avec la disparue. Les enquêteurs ont interrogé des collègues d'Anita de la compagnie maritime, où elle travaillait. Ils se sont souvenus qu'Anita et ses collègues étaient allés dans un bar quelques semaines avant sa disparition, pour se détendre. Un des employés de la compagnie, qui était fortement ivre, avait commencé à se comporter de manière inappropriée. Anita n'aimait pas cela, mais elle l'a poliment repoussé. Il était vexé par ce refus. Ce qui était aussi préoccupant, c'est que cet homme n'était pas venu travailler le jour de la disparition d'Anita. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus pour l'interroger. Lors de l'entretien, il a affirmé que leur rencontre au bar n'était qu'un échange amical de courtoisie, et qu'ils n'étaient que des amis et des collègues. Il a également dit que le matin, quand Anita a disparu, il était arrivé plus tôt au travail, mais avait ensuite demandé à son supérieur un jour de congé, pour réparer sa voiture. Pendant que l'enquête sur la disparition d'Anita était en cours, sa famille et ses amis distribuaient activement des tracts dans tout le district. Ils se sont également tournés vers les médias locaux pour informer le plus de gens possible de la disparition. Les habitants et les bénévoles de la protection civile ont organisé des équipes de recherche, mais les recherches sont restées infructueuses. Anita Aldridge se souvenait ⁇ Le matin du 26 juin 1998, je priais et écrivais quelque chose doucement pour me calmer. Il est parti un moment puis est revenu et m'a forcé à monter dans son pick-up, après quoi nous avons quitté la ville. Nous avons roulé sur des chemins de campagne isolés. Je lui ai demandé de s'arrêter, car j'avais besoin d'aller aux toilettes. Il est devenu très en colère, craignant que quelqu'un puisse me voir, et se tenait à côté de moi, pendant que je faisais mes besoins. Il a dit qu'il ferait quelque chose, si je tentais de fuir ou de demander de l'aide. Je priais qu'un poste de police ou quelque chose de similaire apparaisse sur notre chemin, mais rien de tel n'est arrivé. Deux jours après la disparition d'Anita, les enquêteurs ont reçu de nouvelles informations de la mère de son amie. La femme a raconté qu'Anita avait des problèmes avec un autre collègue de l'entreprise de navigation. Anita a mentionné que cet homme lui montrait trop d'attention et elle avait peur de lui. Elle avait peur de porter plainte, car elle craignait pour sa sécurité. Les enquêteurs ont compris que chaque heure comptait, et se sont empressés de vérifier ces informations. Ils sont allés à l'entreprise où Anita travaillait, mais le patron a confirmé que le suspect avait démissionné il y a trois semaines et s'était installé dans un autre état. Son alibi a été confirmé, et il ne pouvait pas être impliqué dans la disparition. Le petit ami d'Anita a également été invité à passer un test au détecteur de mensonges, car son alibi pour le matin de la disparition n'était pas entièrement confirmé. Les questions du test concernaient son implication dans la disparition et le lieu où se trouvait Anita. Il a répondu non aux deux questions, mais n'a pas réussi le test. Cependant, la police n'avait pas assez de preuves, et il a été relâché. Deux jours après le début des recherches, les enquêteurs ont contacté d'anciens collègues d'Anita de la salle de sport, où elle avait travaillé deux ans auparavant. L'une d'elles se souvenait d'un homme nommé Victor Thomas Stiel, qui avait un comportement inapproprié envers les femmes. Anita essayait d'être polie avec lui, mais son comportement ne s'améliorait pas, et finalement, il s'est vu interdire l'accès à la salle de sport. Il s'est avéré que Stiel vivait dans la même ville qu'Anita. En vérifiant les antécédents de Victor, les enquêteurs ont découvert qu'il avait été condamné pour enlèvement en 1984. Les enquêteurs ne pouvaient pas dire avec certitude s'il y avait eu un quelconque contact entre Stielle et Anita au cours des deux dernières années, mais il restait le principal suspect. Pour confirmer leurs soupçons, l'enquêteur a fait appel à un ancien profilé du FBI pour obtenir de l'aide. Le spécialiste avait quatre suspects à surveiller il disposait de peu de temps et de ressources limitées, ce qui rendait la tâche particulièrement difficile. Le profileur a examiné attentivement les rapports des scènes de crime et les biographies de tous les suspects. Le quadragénaire Victor Thomas Stiel s'est immédiatement démarqué. Les événements liés à sa condamnation il y a 15 ans avaient de nombreuses similitudes avec la disparition d'Anita en décembre 1984. À l'époque, Stiel poursuivait une étudiante de l'université de l'Indiana, où il était lui-même étudiant. Un soir, il est allé chez elle et a attendu que son petit ami parte. Sachant que la jeune fille était seule, Stiel a frappé à la porte. Lorsqu'elle a ouvert, il est entré et l'a forcé à se comporter comme s'ils étaient un couple. À un moment donné, il a décidé de la laisser partir, mais l'a averti de ne pas aller à la police. À peine libérée, la jeune fille a couru immédiatement au téléphone le plus proche et a appelé la police. Il a passé huit ans en prison et menait un mode de vie malsain. Comme Anita, cette jeune femme avait rejeté ses avances. Stiel avait des contacts avec elle et vivait à proximité. Dans les deux CA, il portait un sac à dos bleu, contenant divers objets qu'il comptait utiliser il était important pour lui de se sentir comme son petit ami et espérer que la jeune fille l'aimerait peut-être a-t-il décidé quinze ans plus tard d'essayer à nouveau si stiel était impliqué dans la disparition d'anita il ne voulait manifestement pas répéter les mêmes erreurs le profilé a souligné l'importance de la confidentialité de l'enquête si stiel se rend compte que la police est sur ses traces il pourrait faire quelque chose d'irrévocable des souvenirs d'Anita. Le 27 juin 1998, vers une heure du matin, j'avais peur de le regarder. J'essayais de regarder par la fenêtre, juste pas vers lui. Il a dit Peut-être que tu oublieras ta famille et que tu m'aimeras Ces mots m'ont fait peur. Sur l'autoroute à péage, alors que nous approchions de la caisse, je savais qu'il avait des objets dangereux dans la voiture. Je réfléchissais au nombre de fois où il pourrait les utiliser avant d'atteindre la cabine du caissier. Tout le temps, je planifiais ma fuite. Après neuf heures de route, nous sommes arrivés à sa cachette secrète. Il a dit que la maison se trouvait dans la nature sauvage et qu'il n'y avait aucune issue de secours. C'était terrible. Il a dit qu'il valait mieux lui obéir si je ne voulais pas avoir de problème. Puis il m'a conduite dans une pièce avec des armoires métalliques et a dit ⁇ C'est ici que je vais te garder. ⁇ Il m'a averti qu'une tentative de fuite aurait des conséquences désagréables. Je ne savais jamais s'il était proche ou non. Parfois, il faisait des bruits pour me faire penser que quelqu'un était dans la maison. Je n'osais pas appeler à l'aide. Dans ce placard étroit, il était difficile de respirer. J'entendais son ronflement, ce qui confirmait sa présence. Mes forces m'abandonnaient, et à un moment donné, je me suis endormi. Il s'était écoulé deux jours et demi depuis la disparition d'Anita, lorsque les enquêteurs ont commencé à surveiller la maison du principal suspect, Victor Stiel. Cette maison appartenait à sa mère et se trouvait en périphérie de la ville. Les enquêteurs cherchaient un moyen de découvrir qui se trouvait à l'intérieur sans éveiller les soupçons. En voyant une voiture avec un panneau de vente devant la maison, ils ont décidé de se faire passer pour des acheteurs. Les policiers en civil ont frappé à la porte, sans savoir si Stiel ou Anita étaient à l'intérieur. Une femme âgée a répondu à leur coup de sonnette et a dit que la voiture appartenait à son fils Victor. Les enquêteurs ont exprimé le souhait d'acheter la voiture et ont été invités à entrer pour discuter des conditions. La mère de Victor a raconté que son fils avait récemment déménagé dans le Wisconsin et que son téléphone n'était pas encore raccordé, donc il n'y avait aucun moyen de le joindre. Elle devait d'abord parler avec lui pour connaître le prix. Les enquêteurs ont promis de rester en contact, espérant rencontrer le propriétaire. Cette fois, ils sont partis. Car il ne pouvait pas fouiller la maison sans permission ni mandat de perquisition. Les enquêteurs n'étaient pas sûrs si la mère de Victor était impliquée, mais ils craignaient qu'elle puisse avertir son fils de la recherche. Pendant ce temps, le profilé du FBI restait convaincu que Stiel était le principal suspect. Il soupçonnait que Victor cachait Anita dans un endroit sûr où il pouvait passer beaucoup de temps avec elle. Cela pouvait être n'importe où, dans un endroit où personne ne le connaissait et où personne ne le chercherait. Le profilé croyait que Stiel avait préparé cette cachette à l'avance et était ensuite revenu chercher Anita. Des souvenirs d'Anita Aldridge. 28 juin 1998. C'était le premier jour où il m'a sorti du placard. J'étais désespéré et je pleurais. Le bruit m'est resté en mémoire quand il a enlevé sa ceinture. J'ai compris que je devais gagner sa confiance pour survivre. S'il croyait que je l'aimais, il me laisserait sortir de la maison seule et je pourrais demander de l'aide. J'avais une famille aimante et des amis à qui je devais revenir. Cette pensée me donnait de la force. Je continuais à jouer son jeu pour gagner du temps et m'échapper. Le lendemain, 29 juin, la police a commencé à recueillir des informations sur Victor Stiel. Ils ont découvert qu'il était au chômage et possédait un pick-up rouge. Victor a loué un camion dans l'Indiana quelques jours avant la disparition d'Anita, comme l'ont montré ses relevés de cartes de crédit. L'entreprise de location a enregistré que Victor avait parcouru 910 miles aller-retour. Les enquêteurs ont divisé cette distance en deux et ont découvert que la ville centrale était La Crosse, dans le Wisconsin. Les registres ont montré que Victor avait fait le plein exactement dans cette ville le jour de la location. Les enquêteurs ont informé le FBI que Victor avait probablement franchi la frontière de l'État avec la personne enlevée. Six jours après la disparition d'Anita Aldridge, âgée de 21 ans, sa voiture bleue a été trouvée près de sa maison dans une rue de banlieue. L'endroit n'était qu'à quelques malles de la maison de Victor. La voiture était ouverte et les clés étaient dans le contact. Les enquêteurs arrivés sur place craignaient qu'Anita ne soit dans le coffre, mais à leur grand soulagement, elle n'y était pas. Lors de la fouille, ils ont trouvé des attaches de câbles déchirées, ce qui laissait supposer une possible tentative de fuite de la femme. Aucune trace biologique ou signe de lutte n'a été trouvée dans la voiture. Fin juin, des enquêteurs de l'Indiana se sont rendus à La Crosse pour retrouver Victor. Ils savaient qu'il avait fait le plein de son camion exactement ici. Bien qu'il n'ait pas d'informations précises sur la présence de Victor ou d'Anita dans cette ville, ils ont rencontré un agent spécial du FBI pour coordonner les recherches. Ce soir-là, ils se sont répartis en plusieurs groupes et ont commencé à patrouiller dans les rues à la recherche du pick-up rouge de Victor mais sans succès. Une semaine s'était écoulée depuis la disparition d'Anita, et les enquêteurs espéraient toujours la retrouver vivante. Pendant ce temps, les enquêteurs sont retournés à la dernière adresse connue de Victor, la maison de sa mère. Sous prétexte d'être des acheteurs de voitures d'occasion, ils ont essayé d'obtenir de sa mère des informations sur la localisation de Victor. Cette fois, ils ont eu de la chance. La mère de Victor leur a donné son adresse dans le Wisconsin. Cette information a été immédiatement transmise au bureau du FBI à La Crosse, des souvenirs d'Anita Aldridge. Chaque jour était comme le précédent. Il me sortait du placard, j'allais aux toilettes, je revenais, et nous jouions à des jeux de société. Pour survivre, je devais obéir. Le temps perdait sa signification. Le troisième ou le quatrième jour, je ne savais plus quel jour c'était. Mon domaine est la programmation, et une fois, il m'a demandé de réparer son ordinateur. Les paramètres de date et d'heure étaient déréglés, et chaque jour, il me les dictait. Une fois, alors que j'étais dans le placard, j'ai entendu un bruit fort qui ressemblait à une sirène de police. Il m'a ordonné de me taire, mais j'ai prié. Pour que CE soit la police. Le lendemain, le 29 juin, la police a commencé à recueillir des informations sur Victor Steele. Ils ont appris qu'il était au chômage et possédait un pick-up rouge. Le 2 juillet, les enquêteurs ont reçu des informations sur la localisation possible de Victor Steele. Accompagnés d'agents du FBI, ils sont arrivés sur les lieux en quelques minutes. Dehors, ils ont immédiatement repéré le pick-up rouge de Victor. Dès que le véhicule et l'endroit ont été placés sous surveillance, les policiers se sont tournés vers le tribunal local pour obtenir un mandat de perquisition. Pendant qu'ils attendaient le mandat, les agents ont pris contact avec le propriétaire de la maison pour confirmer que Victor Steele y louait effectivement. Le propriétaire a confirmé que Victor Steele louait la maison et qu'il y avait ouvert une librairie. Il a également remis au FBI un plan du bâtiment et la clé de la porte d'entrée, des souvenirs d'Anita Aldridge. J'étais terrifié. Il me faisait peur. Je savais que s'il décidait de faire ce qu'il disait, cela arriverait. Chaque jour, l'espoir de sauvetage diminuait, mais il ne disparaissait jamais complètement. Les jours passaient. Une semaine était passée. Je savais. Que perdre espoir signifierait la fin. Après une semaine de recherche, les enquêteurs ont remarqué pour la première fois que le suspect était parti avec son camion. L'équipe de surveillance l'a suivi, sans savoir si Anita était avec lui ou s'il se rendait à un endroit où elle pourrait être retenue. Victor est allé dans un dépôt de matériaux de construction, où il s'intéressait à de longues planches. Les enquêteurs ont observé avec inquiétude comment il achetait le bois, supposant qu'il pourrait vouloir en faire une cage. En considérant cela, ils ont décidé de ne pas laisser Victor retourner à la maison louée. Un policier et un agent du FBI ont arrêté le pick-up sous prétexte de vérifier ses papiers. Lors de la vérification, il s'est avéré que Victor n'était pas enregistré dans l'état du Wisconsin. À leur surprise, il a accepté de coopérer avec eux et les a accompagnés au bureau du FBI. Au bureau, ils ont expliqué à Victor qu'il n'était pas arrêté et qu'il voulait seulement lui parler. Pendant l'entretien, il a dit qu'il ne savait rien de la disparition d'Anita Aldridge. Il a admis qu'il l'avait connue auparavant à la salle de sport, mais qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps et qu'il n'avait aucune idée d'où elle se trouvait maintenant. Victor a ajouté qu'il était dans le Wisconsin depuis seulement quelques jours et qu'il avait dormi dans son camion. Pendant ce temps, l'équipe opérationnelle continuait de surveiller sa maison. Muni d'un mandat de perquisition, le groupe de policiers s'est approché de la maison et a utilisé la clé que le propriétaire leur avait donnée. Ils ont procédé avec une grande prudence, sachant que l'endroit pourrait être dangereux. Les officiers sont entrés dans la maison et ont appelé fort, annonçant leur présence. Mais personne n'a répondu. Anita Wagrich se souvient, j'ai entendu un bruissement, puis quelqu'un a crié, ⁇ Tout est sécurisé ⁇ Ma première pensée a été que c'était encore lui. Par peur de provoquer la colère de Victor, j'ai décidé de me taire. Mais si c'était vraiment la police, il pourrait partir sans me trouver, et alors je n'aurais aucune chance de m'échapper. Dans la dernière pièce, les enquêteurs ont remarqué une grande armoire métallique sur le sol. Les portes étaient bloquées avec un manche à balai cassé et un couteau à beurre. En s'approchant, ils ont écouté, mais c'était silencieux. Après inspection, ils ont soigneusement enlevé les blocages. En ouvrant la porte, ils ont su que la recherche était terminée. Anita Aldridge était trouvée vivante. Huit jours après l'enlèvement, elle a été libérée. Victor Steele retenait Anita captive. Elle n'a pas abandonné malgré les épreuves difficiles. La police a trouvé plusieurs preuves troublantes, dont un carnet avec des adresses, des plans de mouvement et des descriptions de l'apparence de différentes femmes. S'il n'avait pas trouvé Anita, il aurait probablement choisi une autre victime. Le 3 juillet, Anita est rentrée chez elle elle a été accueillie par des habitants avec des panneaux de soutien. Le 4 juillet, c'était le mariage de sa meilleure amie. Et malgré tout, Anita a décidé d'y aller. Victor Steele lui avait pris huit jours de sa vie. Et il n'en aurait pas un de plus. Lors du procès en janvier 1999, Steele a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le courage et la persévérance d'Anita ont profondément impressionné le FBI et son CAS a été intégré au programme de formation des nouveaux agents. Anita Aldridge travaille maintenant dans les services de secours et aide ceux qui ont vécu des situations similaires. Elle dit que parler de son expérience lui apporte du soulagement. Anita espère que son histoire pourra aider au moins une personne. Depuis, il lui est plus difficile de faire confiance aux gens. Et elle croit qu'elle ne se mariera peut-être jamais. Mais elle croit qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui peut la comprendre et accepter son passé. Anita a surmonté cette épreuve grâce à sa force intérieure et à sa foi. Elle souhaite devenir agente du FBI pour aider les autres, tout comme elle a été aidée.